Alors, chers collègues, je propose que nous reprenions notre séance du Parlement régional bruxellois. Nous allons commencer notre séance des questions d'actualité. Mais avant cela, puis-je rappeler à différents collègues qu'ils ne sont toujours pas connectés, donc s'ils ne se connectent pas, qu'ils ne font pas le vote test, ils ne pourront pas voter tout à l'heure. Il s'agit de M. David Leister, de M. Deboc, de Mme De Jong, de Mme Lassaini, M. Oscara, M. Pitsès et M. Chefket Temiz. Je leur demande de se connecter, sinon ils ne pourront pas voter tout à l'heure. Alors, nous allons démarrer par la première question posée par Mme Véronique Lefranc et adressée à M. Marron, relative à la mise en œuvre par Bruxelles Propreté de l'autorisation de s'absenter pendant les heures de service pour se faire vacciner contre la COVID-19. Mme Lefranc, chers collègues, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mercredi dernier est apparu un article dans La Capitale qui pointe la difficulté pour les travailleurs de l'ABP pour se faire vacciner, et ce malgré une circulaire communiquée par le gouvernement autorisant les travailleurs à bénéficier de maximum une demi-journée de congé pour se faire vacciner et moyennant quelques aménagements pour les fonctions essentielles. Alors le problème, c'est que dans la note de service également mentionnée dans l'article, l'ABP a le droit de refuser une dispense de service pour se rendre à la vaccination et appellerait les travailleurs à se faire vacciner en dehors des heures de service. Et si ce n'est pas possible, l'encadrement autoriserait la prise de congé à charge donc du travailleur sur présentation de la convocation au plus tard 3 jours à l'avance. Alors, ces décisions internes à l'ABP iraient donc directement à l'encontre des droits repris dans la circulaire du 26 mars. Et plus grave encore, il semblerait que même si la demande du travailleur rencontre ces critères, le congé reste susceptible de lui être refusé. Je voudrais vous poser les questions suivantes. Est-ce que, Monsieur le Ministre, vous avez connaissance de cette note de service? Votre cabinet est-il au courant? Les représentants syndicaux ont-ils été consultés en amont de sa publication? Si oui, quelles ont été leurs réactions? Et enfin, comment expliquez-vous, si nos observations sont exactes, que l'ABP, l'OIP, dont vous êtes directement responsable, ne respecterait pas la circulaire émise par le gouvernement du 26 mai et imposerait à son personnel des contraintes additionnelles nuisant à l'effort régional et national de vaccination? Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci, Madame Lefranc. Monsieur Marron, vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président, merci Madame Lefranc. Merci Monsieur le Président, merci Madame Lefranc. On a eu l'occasion d'en discuter déjà en commission environnement cette semaine, puisque c'est arrivé un petit peu en marge ce type de questionnement de toutes les questions que les députés m'ont posées dans le cadre de la discussion sur l'audit, sur le personnel. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est vrai que d'abord réaffirmer un principe de base en tant que ministre de la Santé, j'encourage un maximum l'accès à la vaccination des Bruxelloises et des Bruxellois. Par ailleurs, d'un autre côté, au niveau de l'ABP, ce qui doit être assuré, c'est la continuité du service, qui est un service de base, qui doit absolument être assuré. On n'imagine pas que les poubelles ne soient pas ramassées ou moins ramassées à cause de la vaccination. C'est juste pas possible. Or, effectivement, il y a des problèmes opérationnels qui se posent, et donc il est encouragé, et la direction de l'ABP encourage le personnel à se faire vacciner en dehors des heures. Aussi parce que la prise d'un demi-jour à l'ABP, donc 3h45, ça équivaut à une journée de travail complète, en fait. Je veux dire, à l'ABP, on n'imagine pas un travailleur qui rejoint son camion en cours de route. S'il n'est pas là le matin, il n'est pas là le matin. Et puis, on n'imagine pas sortir de son camion à, je ne sais pas moi, à 8h du matin ou à 9h du matin, alors que la tournée est encore en cours. C'est juste pas possible. Donc, opérationnellement, c'est un peu compliqué. Et donc, ceci dit, la direction me signale que la vaccination a été évoquée à plusieurs reprises avec les organisations syndicales, que ça a été évoqué aussi en secteur 15, que des discussions ont eu lieu, et qu'au niveau de la direction des ressources humaines, ce qu'on nous signale, c'est qu'aucune problématique spécifique n'avait été remontée, et que, visiblement, le nombre important de centres de vaccination et les horaires larges des centres de vaccination permettaient bel et bien, assez facilement, aux travailleuses et aux travailleurs de l'ABP de se faire vacciner sans aucune difficulté particulière. Merci beaucoup, Monsieur Marron. Madame Lefranc. Donc, en fait, si j'ai bien compris, le représentant syndical n'a pas dit la vérité.
lorsqu'il rapporte que des personnes ont fait une demande 3 jours auparavant et n'ont pas pu se faire vacciner, que ça a été refusé. Donc si vous, de la part du service des ressources humaines, vous n'avez aucune réaction ni aucune plainte, je m'inquiète un peu, monsieur le ministre, est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe à la BP ? Parce que quand vous avez un représentant syndical, que vous avez par ailleurs du personnel qui décrit une situation difficile pour pouvoir accéder à la vaccination, vous considérez qu'il n'y a aucun dossier. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de ce que vous êtes en train de nous dire ? Les informations de la direction de la BP sont claires. Maintenant, ceci dit, si vous regardez un petit peu objectivement la situation et les horaires de travail des agents de la BP, singulièrement celles et ceux qui sont à la collecte, je pense que c'est assez difficile d'imaginer que leur travail les empêche d'accéder à des centres de vaccination qui sont ouverts jusque tard l'après-midi, voire en soirée, voire le week-end. Mais personne ne remet en question... C'est difficile d'affirmer qu'ils sont en difficulté d'accéder à la vaccination. Et la direction de la BP me dit, en fait, nous essayons de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impact sur le service, parce que c'est un service de base à la population et qu'on n'imagine pas que la campagne de vaccination puisse faire en sorte qu'il y ait une diminution du nombre de collectes de déchets et d'immondices dans la région. Si c'était le cas, vous m'interpelleriez en me disant, mais monsieur le ministre, comment oui, se fait-il j'entends que, bien, parce que les agents de la BP doivent se faire vacciner, il y a moins de collectes. La question n'est pas là, monsieur Allez, le ministre. Allez, la dernière réplique. La question n'est pas là, monsieur le ministre. Ce n'est pas de se dire, est-ce qu'il faut garantir ou pas la continuité du service ? Évidemment que oui, mais une fonction essentielle est tout aussi essentielle, la santé des travailleurs. Et c'est vraiment dommage que vous ne soyez pas au courant de ce qui se passe à la BP. Je vous remercie, Madame Lefranc. Puis-je rappeler à tous les collègues de suivre l'exemple de Madame Lefranc ? Question 2 minutes, réponse 2 minutes, et si possible, de ne pas lire de texte, puisque nous sommes dans un format question d'actualité pour garder la spontanéité. Je ne voudrais pas revivre ce que nous avons vécu lors de la dernière séance, où c'était quand même des lectures assez longues et un peu fatigantes. D'accord ? On garde la dynamique comme on l'a fixée dans le règlement. Je vous remercie toutes et tous. Alors, nous passons à M. Dagrin pour sa question adressée à M. Claire Failly et M. Gatz relative aux récentes manifestations d'agents des administrations locales et régionales bruxelloises. M. Dagrin, chers collègues, vous avez la parole. Oui, merci M. le Président et bonjour. M. le Ministre, donc hier matin, à la place Rogier, le Front commun syndical est venu manifester son mécontentement par rapport à l'évolution des négociations dans le cadre des augmentations barémiques en comité C. Donc, en effet, après des années d'action, afin d'obtenir des revalorisations barémiques, mais notamment augmenter les bas salaires, ils étaient heureux d'apprendre en 2020 qu'une enveloppe de 77 millions d'euros était consacré à cette augmentation barémique. Vous aviez même déclaré au journal L'Écho le 22 octobre 2020, la région pourrait toutefois se montrer plus généreuse vis-à-vis des niveaux les plus bas. Donc, chouette communication. Mais durant les négociations pour partager ces 77 millions par an, une augmentation de seulement 2%, seulement 2%, a été proposée pour les niveaux C, D et E, donc les plus bas salaires. Donc c'est largement insuffisant, ces 2%. Donc souvent, je constate ici une déconnexion que vous avez avec ceux qui ont des faibles revenus. Vous savez que la réalité d'un travailleur ALR qui gagne 1300 euros par mois, c'est la moitié du revenu qui part pour les loyers, même plus que la moitié si on compte les charges telles que l'énergie, l'eau. Le restant, il faut tenir compte que ça ne sert qu'à boucler la fin du mois. Ce n'est pas évident du tout. À côté de ça, si le travailleur a un problème de vue, il doit reporter son rendez-vous chez l'ophtalmologue, parce que des nouvelles lunettes, ça coûte cher. S'il a un problème dentaire, il doit aussi reporter son rendez-vous chez le dentiste parce que les soins risquent d'être impayables. Donc ça, c'est la réalité d'un travailleur pauvre. Et cette réalité, elle existe pour les travailleurs Monsieur Dagrin. De bas niveau. J'atteins la limite. Ah, vous l'avez dépassé largement. Alors il faut atterrir maintenant. La question, Monsieur le Ministre, pourquoi refusez-vous
de solutionner la problématique des bas salaires pour ces nombreux travailleurs dépendants des administrations locales et régionales bruxelloises. Merci, Monsieur Dagrin. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Dagrin, pour votre question. J'ai bien pris connaissance de la manifestation qu'ont fait les agents des pouvoirs locaux cette semaine. C'est dans le cadre des négociations que nous menons au sein du comité C, justement pour revaloriser les barèmes de l'ensemble de la fonction publique locale. Je veux vous rappeler que ces 20 dernières années, les agents des niveaux E, D et C ont été revalorisés de l'ordre de 5% et ceux des niveaux A et B de 2% seulement. Et donc, il y a actuellement des écarts. Monsieur le Président, je lis les chiffres de mon tableau, si vous me le permettez. Juste chiffres, pour cela, par contre, ça, c'est tout à fait normal. Le retard de rémunération, l'écart de rémunération entre les agents selon le niveau par rapport à la moyenne des deux autres régions, le retard de rémunération est de 2% au niveau E, de 1,9% au niveau D, de 3,25% au niveau C, de 8,4% au niveau B et de 5,4% au niveau A. Parce que par le passé, je vous l'ai rappelé, on a donc augmenté déjà les niveaux les plus faibles. Nous sommes dans un cadre de négociation avec les syndicats, donc il est légitime que chaque parti fasse part de ses revendications, nous les écoutons, etc. Nous nous sommes entretenus avec les employeurs, parce que les employeurs, ce n'est pas moi. Les employeurs sont les administrations communales, les communes, qui vont devoir payer la revalorisation barémique, même si le gouvernement vient les soutenir, en mettant sur la table 56 millions de ce que coûterait la réforme, environ 75-76 millions, à échéance 2024. Donc, avec les employeurs, avec les communes, nous avons réfléchi à la meilleure manière d'aller à la rencontre des revendications et du cahier de revendications déposé par les syndicats. Et en raison de l'existence du bonus à l'emploi fédéral, qui fait que les travailleurs qui touchent moins de 1 500 euros obtiennent un bonus à l'emploi du fédéral, qui les amène à 1 500 euros net par mois. Si nous mettons, entre guillemets, des moyens pour ceux qui touchent moins que cela, nous ne faisons que substituer du financement régional à du financement fédéral sans augmenter la paye, le montant net touché par les travailleurs de bas niveau. Voilà pourquoi il y a une proposition sur la table en quatre branches qui vise notamment à mieux garantir la pension des travailleurs contractuels et à améliorer le net en poche à travers les titres repas. Ce sont des propositions sur la table. Okay. Le comité C doit encore travailler et nous allons continuer dans cette voie à essayer d'améliorer la situation de l'ensemble des travailleurs des pouvoirs locaux. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Dagrin, pour une courte réplique. Oui, brièvement. Donc, effectivement, si vous travaillez pour augmenter les bas salaires, c'est une bonne chose. Donc, la question du bonus à l'emploi que vous soulevez ne peut pas être, le bonus pour les bas salaires, pardon, ne peut pas être un piège qui condamne ces travailleurs aux bas salaires. Donc, en vitesse, je regarde le chronomètre. Je suis étonné que la problématique des bas salaires pour les travailleurs ALR n'est pas une priorité pour le gouvernement bruxellois, parce qu'une partie des partis formant le gouvernement bruxellois ont souscrit à une plateforme pour avoir un salaire minimum à au moins 14 euros de l'heure, ce qui n'est pas le cas pour les catégories E1, E2, D1 et C1, si on augmente de 2% leur salaire d'aujourd'hui. Donc je suis surpris que certains partis, d'un côté, on soutient cette revendication-là, et puis de l'autre côté, dans la pratique, on donne des cacahuètes aux travailleurs. C'est ce qu'ont dit hier les syndicats. Merci, Monsieur Dagrin. Avant de passer à la question suivante, je rappelle ce qui était prévu et d'ailleurs communiqué à tous les députés, que les intervenants qui posent des questions dans le cadre d'un débat d'actualité doivent être présents dans l'hémicycle le temps de leur intervention ou questions et réponses. Donc, comme je vois que l'oratrice suivante n'est pas en salle, nous passons directement à mevrouw Hilde Sab pour avraag aan Elke van den Brande betreffende de stand van zaken van de schoolstraatprojecten in het Brusselse hoofdstedelijke gewest in het licht van een recente betoging. Mevrouw Sab, u hebt het woord. Met de micro is beter. Dank u wel. Mevrouw de minister, deze ochtend werd er actie gevoerd door bezorgde ouders in de Vlaamse Steenweg. Ze maken zich zorgen over de
luchtkwaliteit en ook wel de verkeersveiligheid rond hun school. En ze vragen om zo snel mogelijk een schoolstraat in te voeren. Ik deel hun bekommernis en ook een beetje hun ongeduld, omdat het lijkt dat dit een klein beetje op de lange baan geschoven is. Ik stelde al eerder de vraag naar een overzicht van de schoolstraatprojecten en toen kreeg ik niet echt een antwoord. Door de vorige regering werd 1,5 miljoen euro vrijgemaakt om 13 schoolomgevingen definitief heraan te leggen. Bijna elke Brusselse gemeente heeft een project ingediend om de schoolomgeving tenminste tijdens cruciale uren autovrij te maken. De deur werd opengelaten om ze gedeeltelijk autoluw te maken. Na een test van 3 maanden zouden de middelen voor definitieve heraanleg worden vrijgegeven voor het plaatsen van slagbomen en paaltjes en zo. De testfase zou in 2019 plaatsvinden en de definitieve heraanleg in 2019 en 2020. Nu, we weten dat sommige schoolstraten gestopt zijn en dat de projecten niet werden omgezet in permanente schoolstraten. Dat is jammer, omdat straks, het schooljaar loopt nu op zijn einde, maar straks in september willen we toch allemaal dat de Brusselse jongeren weer zo veilig mogelijk naar school kunnen. En daarom vraag ik u het volgende. Hoeveel van de 13 geselecteerde schoolomgevingen werden heraangelegd? Zijn er straten waar de werken terug bij af zijn? Hoe komt dat? Hoe gaat men dat in de toekomst doen? Wat is de stand van zaken bij de overige projecten rond het creëren van schoolstraten? En wat is uw plan om elke schoolomgeving in Brussel verkeersveilig te maken? Merci. Dank u, mevrouw Sab. Mevrouw de minister. Eerst en vooral wil ik uiteraard zeggen dat luchtkwaliteit en verkeersveiligheid, wat de insteken zijn voor schoolstraten, iets is dat nog heel nauw aan het hart ligt en waar deze regering samen heel hard op inzet. En voor ik op uw vraag wil antwoorden, ik even ingaan op wat u zegt, omdat ik er van verschiet zegt niet heb geantwoord. Dus ik heb op 12 januari in de commissie op uw vraag geantwoord. Ik ben zelfs over mijn spreektijd toen gegaan. Ik heb het verslag erbij genomen om zeker te zijn dat ik niks fout heb onthouden. En ik heb u daar uitgenodigd dat indien u nog meer details zou willen, u mijn schriftelijke vraag kan stellen. Die schriftelijke vraag is mij op 27 mei op ons kabinet toegekomen. Ik kan niet antwoorden op vragen die ons niet gesteld worden. Dus wij zullen u, net zoals mevrouw De Baat, die hier ook een vraag over heeft gesteld, op die schriftelijke vraag binnen de deadlines antwoorden. Maar ik ben het niet mee eens en ik weiger te antwoorden op uw vragen. Nu ten gronde, want ik vind het belangrijk dat we het erover hebben, over wat gaan we doen rond verkeersveiligheid, wat gaan we doen rond schone lucht. En de protesten die er zijn, die zijn nodig. Het is nodig dat die burgerbeweging hun stem laten horen en dat die druk ook hoog blijft. Dus in die zin deel ik zelfs voor een stuk in ongeduld dat we de veiligheid in Brussel van onze kinderen absoluut prioriteit moeten zetten. Dus er zijn 13 projecten waarvan we spreken. Ik wilde misschien op wijzen dat dat projecten zijn natuurlijk die door de gemeentes worden uitgevoerd. Dus ik ga u de informatie geven die ik van de gemeentes krijg. En ik nodig u natuurlijk ook uit om, zeker als het heel specifiek gaat, om gerust ook op lokaal niveau die vragen verder te stellen. Dus van de 13 projecten zijn er 8 afgerond. 2 momenteel worden verhinderd omdat er een werf is op grondwet Clovis voor de metro. Andere 3 hebben de gemeentes ons nog geen nieuwe stand van zaken gegeven. Er zijn ook 4 projecten die verlengd zijn geworden en alle details zullen we uiteraard ook in de schriftelijke antwoorden op de vraag van u en mevrouw De Baats geven. Wat doen we daarnaast nog natuurlijk? We hebben de subsidies voor de beveiliging van schoolomgevingen deze legislatuur verhoogd. We kunnen nu 3 subsidies aanvragen, ook personeelsbegeleiding, omdat dat in het verleden niet was. En dat werd een belangrijk obstakel omschreven door gemeenten dat ze niet konden personeelsmiddelen inzetten. Dus we hebben dat voorzien. Infrastructuur is mogelijk en ook voor de schoolstraat en de schoolomgeving. De laatste 2 budgetten hebben uiteraard verhoogd. We hebben een zone 30 ingevoerd, zoals u weet. Er zijn ook verschillende zwarte punten die worden aangepakt. Iets wat in de vorige legislatuur te lang in de kast is blijven liggen. We zeggen het is belangrijk dat je die zwarte punten ook aanpakt. En mijn spreektijd is op, hoor ik. Maar ik wil vooral zeggen van, ik begrijp het ongevuld. Ik deel dat en ik hoop dat we schouder aan schouder in antwoord kunnen geven als bondgenoten om die verkeersveiligheid in de luchtkwaliteit te verbeteren. Dank u, mevrouw de minister. Mevrouw Sabbe, voor een korte reactie misschien. Ik wil u graag bedanken voor uw antwoord. En mocht ik het eerder over het hoofd gezien hebben, dan wil ik mij daarvoor verontschuldigen. Dank u, mevrouw Sabbe. L'incident est clos. Nous passons à présent à la question de madame Tchekalski, adressée à monsieur Marron, relative à la stratégie bruxelloise de déploiement de la 5G au vu des recommandations de la commission délibérative à ce sujet. Madame Tchekalski, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le 5 juin dernier, vous étiez d'ailleurs présent, 45 citoyens et 15 parlementaires réunis en commission délibérative ont adopté une quarantaine de recommandations au sujet du déploiement de la 5G. Les membres de la commission, donc parlementaires et citoyens, se sont prononcés, ont rédigé donc une série de recommandations en 3 jours sur les modalités de déploiement de la 5G en matière d'environnement, de santé, d'emploi, de formation et de divers aspects technologiques. Il est maintenant grand temps que le gouvernement bruxellois avance, un peu comme le gouvernement fédéral le fait en la matière, sous la tutelle de la ministre Petra de Sutter, la ministre Groen en charge des télécommunications. D'ailleurs, cette semaine encore, la ministre de Sutter était en commission affaires économiques au Parlement fédéral pour présenter ses textes relatifs à la mise aux enchères des fréquences 5G. Le comité de concertation s'est également prononcé en faveur de la mise aux enchères de la 5G, donc comité de concertation qui regroupe les représentants du gouvernement fédéral, mais aussi du gouvernement bruxellois. Donc il est temps d'avancer sur le sujet. Mes questions sont assez simples, Monsieur le Ministre. Comment les recommandations de la commission délibérative 5G seront agencées avec les conclusions de la plateforme de coordination bruxelloise pour la 5G, donc cette plateforme qui regroupe différents groupes de travail avec les administrations bruxelloises, plateforme qui a été mise en place en juillet 2020. Et enfin, ma seconde question, quelles sont maintenant les ambitions du gouvernement bruxellois en termes de déploiement de la 5G? Quelles sont les prochaines échéances et quel est le calendrier du gouvernement bruxellois en matière de déploiement de la 5G? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Tchaikalski. Donc, déjà, je me permets de prendre votre question d'actualité comme une certaine forme de reconnaissance positive, en fait, de l'expérience de cette commission délibérative. C'est vrai qu'elle essuyait les plâtres. Hein, c'était la première fois qu'il y avait une commission délibérative. Et en plus, c'était sur un sujet compliqué et technique intrinsèquement, les conditions de mise en œuvre de la 5G à Bruxelles. Force est de constater que, visiblement, les choses se sont correctement passées et que, à la fin, en tout cas, les personnes qui ont participé à ces commissions délibératives étaient satisfaites d'avoir participé, ce qui est quand même un élément important. C'était le cas aussi de la plupart des parlementaires, même si le niveau de satisfaction semblait plus élevé chez les citoyennes et les citoyens. Je ne parle pas évidemment de Monsieur le Président ici. Alors, il y a un certain nombre de recommandations, 43 si je ne m'abuse. On en a pris connaissance samedi, pas avant. La plateforme à laquelle vous faites référence, à laquelle j'ai fait référence depuis plusieurs semaines aussi, depuis plusieurs mois même, puisqu'elle est en route depuis l'été passé, en a pris connaissance. Elle s'est réunie pour une première fois ce matin en ayant connaissance de ces recommandations pour un premier tri sur qu'est-ce qui relève du fédéral et qu'est-ce qui relève du régional ou d'autres niveaux de pouvoir. C'est quand même important puisque dans les recommandations, il y a un peu de tout, pas seulement du régional. Et puis à l'intérieur du régional, voir ce qui avait déjà commencé à être travaillé, puisque des éléments avaient déjà commencé à être travaillés, et qu'est-ce qu'il y a encore à travailler. On en est là pour le moment, pas plus loin. La volonté du gouvernement, ceci dit, c'est que la plateforme aboutisse à un premier paquet, je dirais, pour avancer plus loin d'ici cet été. Et de toute façon, vous le savez, nous avons 6 mois pour revenir ici devant le Parlement et la commission délibérative et faire le point avec les différents membres de cette commission sur l'état d'avancement des différentes recommandations. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Tchaikalski, pour une petite réaction. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos réponses. Mais Bruxelles est en retard concernant le déploiement de la 5G. L'IBPT l'a rappelé aussi, il y a des zones qui sont saturées à Bruxelles, dans le centre, aux abords d'universités, de grandes gares et autres. Le risque aussi est grand que certaines entreprises bruxelloises quittent le territoire de notre région au profit d'autres grandes villes européennes plus attractives en termes de 5G. La 5G, c'est aussi un élément important du plan de relance. Et donc, il est temps de passer de la parole aux actes et de mettre en œuvre les différentes recommandations, tant de la plateforme de coordination bruxelloise que de la commission délibérative, et donc de relever les normes. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Madame Tchaikalski, pour votre question. Nous passons à présent à la question de Monsieur Pierre-Yves Lux, pour sa question adressée à Monsieur Vervoort et Monsieur Gatz, relative à la réaction du gouvernement bruxellois aux appels du secteur culturel en ce moment de reprise. Monsieur Lux, vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre-Président, ça y est, on est entré dans le plan été. La vie reprend et ça fait du bien, je pense qu'on peut tous le dire. Mais néanmoins, malgré ces bonnes nouvelles et ces perspectives positives, le secteur culturel et particulièrement les arts de la scène sont inquiets.
Ils sont inquiets à juste titre parce que pour pouvoir reprendre des activités, eh bien, ils doivent respecter un certain nombre de protocoles qui ne sont pas évidents à mettre en œuvre et que par ailleurs, un certain flou plane encore sur les perspectives de reprise à moyen terme et notamment à partir du mois de septembre. Alors, nous pensons aussi en matière de difficultés qui peuvent être rencontrées par ce secteur à toutes celles et tous ceux qui, pendant de trop nombreux mois, ont été éloignés, ont été interdits d'exercer leur activité artistique et ce qui les a plongés par ailleurs dans, pour un certain nombre et un trop grand nombre d'entre elles et d'entre eux, dans une situation de précarité particulièrement inquiétante. Et on le sait, même si les activités artistiques et culturelles vont reprendre petit à petit, ces situations de précarité ne vont pas changer du tout au tout du jour au lendemain. Et ce sont donc ces difficultés qui ont été exprimées par les différents secteurs, et en particulier, c'est l'article que j'ai mis en référence à cette question d'actualité, le collectif Still Standing for Culture, mais d'autres l'ont fait également. Et les secteurs demandent en réalité deux choses. La première, c'est une anticipation la plus grande possible des perspectives de reprise, et en particulier celle du mois de septembre, puisqu'on sait comme il faut du temps pour pouvoir reprogrammer, ou en tout cas pour pouvoir programmer des activités culturelles. C'est aussi de pouvoir avoir une prise en compte plus précise des réalités propres à chacun des secteurs et à chaque type d'activité pour permettre leur reprise. Et puis évidemment, ils en appellent toutes et tous à une poursuite des soutiens publics qui ont pu être octroyés jusqu'à présent et qui seront encore nécessaires compte tenu de la situation qui n'est pas totalement, qui ne redevient pas tout à fait à la normale. Et compte tenu de la situation, c'est une demande que nous estimons légitime, mon groupe et moi. Alors j'en viens à mes trois questions. Quelle est votre lecture, monsieur le ministre-président, de ces appels et quel bilan pouvez-vous éventuellement déjà tirer de cette réouverture culturelle à Bruxelles? De votre place, comment soutenez-vous le monde culturel et comment pouvez-vous répondre à leurs demandes? Et enfin, vous aviez annoncé il y a quelques semaines, une nouvelle vague d'aide aux intermittents et aux artistes. J'aurais voulu profiter de cette question pour que vous puissiez faire le point là-dessus. Je vous remercie pour vos réponses. Merci, monsieur le ministre-président. Voilà. Merci, monsieur le président. Oui, évidemment, nous n'intervenons qu'en deuxième ou troisième ligne, puisque nous ne sommes pas a priori compétents dans le cadre d'élaboration des protocoles et des mesures, je dirais des grandes mesures d'aide qui peuvent être apportées au secteur culturel. Néanmoins, je me réjouis aussi quand même des perspectives qui s'ouvrent enfin à nous, et donc particulièrement et notamment au secteur culturel, qui a été, on l'a dit la semaine dernière, puisque vous m'avez interrogé la semaine dernière à la COCOF sur ce sujet, et donc c'est un secteur qui a été particulièrement impacté, donc il importe effectivement, ça j'en suis convaincu, de poursuivre les aides qui ont déjà été octroyées à ce secteur, sachant que avec les restrictions qui, on l'espère, pourront devenir de moins en moins fortes, mais qu'il n'est pas pour autant, je dirais, financièrement sorti de l'eau d'une manière durable. Ça, c'est une évidence. Et donc, avec Bernard Clairfaillie, on travaille à nouveau sur un train d'arrêté permettant de reverser une aide exceptionnelle à tous les travailleurs du monde de l'art et de la culture, comme ça avait été fait lors de la première vague. Nous allons bien évidemment aussi, je dirais, dans le cadre de la CIMCulture, apporter tout notre soutien à l'élaboration du statut des artistes qui est en cours de discussion pour l'instant. On travaille aussi sur un arrêté permettant de relancer la prime aux ASBL culturelles bruxelloises n'ayant pas reçu d'aide d'autres niveaux de pouvoir. Et donc, c'est un arrêté qui devrait passer très prochainement en première lecture au gouvernement, et avec ma collègue Barbara Tracht, on réfléchit aussi, je pense, à un mécanisme pour soutenir les acteurs de la culture non subventionnés pour leur permettre de reprendre, je dirais, leur activité sans prise de risque trop importante. Hein, vous le savez, enfin, on le sait, mais il y a effectivement aussi une grande disparité dans le secteur entre ceux qui sont et ceux qui ne sont pas subventionnés, et c'est clair que ceux qui ne le sont pas passent souvent, je dirais, à côté d'un ensemble de dispositifs d'aide. Et donc, mais là, vous pouvez évidemment, je suis sûr que vous n'y manquerez pas, interroger ma collègue Barbara Tracht à ce sujet, et peut-être dire aussi que le Brussels Health Safety Label que le Visite Bruxelles a mis en place participe aussi, je dirais, à faire en sorte que l'accessibilité de ces lieux soit encouragée, ou en tout cas de livrer le message que le citoyen qui a envie de, entre guillemets, consommer de la culture, peut le faire aussi sans risque sanitaire particulier. Je pense que c'est aussi un élément important pour retourner vers les lieux culturels, c'est de savoir, d'être rassuré, je dirais, quant au fait que
on le fait en toute sécurité sanitaire. Voilà ce que je pouvais dire. Merci, Monsieur le Ministre-Président. Monsieur Lux, pour une courte réaction. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour vos réponses, Monsieur le Ministre-Président. Super pour le nouveau train d'aide aux intermittentes et aux artistes. Gageons effectivement qu'il aura ses effets le plus vite possible, puisque l'urgence est réelle sur le terrain et que pour beaucoup de femmes et pour beaucoup d'hommes, malheureusement, les terrasses et la préparation des vacances est une réalité qui est fort peu palpable. En matière de soutien aux opérateurs bruxellois, je suis heureux d'entendre les différents volets d'aide qui sont envisagés, y compris pour ceux qui n'ont pas eu accès aux aides précédentes et notamment aux acteurs non subventionnés. J'espère également qu'une concertation au niveau du territoire bruxellois pourra être faite pour permettre une plus grande adéquation, une plus grande cohérence entre les prises de décision au niveau local pour la réouverture des lieux culturels. Je pense que c'est important sur notre territoire qu'on ait cette cohérence. Et enfin, et je terminerai par là, le 1er septembre doit pouvoir être une date de reprise complète pour tous les acteurs artistiques et culturels qui ne peuvent plus être une variable d'ajustement comme ils l'ont été jusqu'à présent. C'est en tout cas ce que nous plaidons au sein du groupe Écolo et c'est ce que nous vous invitons à porter également là où vous pourrez le porter. Je vous remercie, Monsieur le Ministre-Président. Merci, Monsieur Lux. L'incident est clos. Tisnut Beurt, Anmener, Mathias van den Borre, voor zijn vraag aan de heer Vervoort en Gats, betreffende renovatieproject van het Koning Boudewijn Stadion in het licht van de start van het EK voetbal. Coupe d'Europe, quoi. European, comment on dit? European Cup, c'est ça? Euro 2020. U hebt het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik denk dat we het allemaal wel weten, denk ik, hè, wie de media leest en volgt en voetbal een beetje volgt. Het is het evenement natuurlijk van dit jaar. Het Euro 2020 gaat eindelijk van start vandaag in stadions over heel Europa. De openingsmatch is dus in Rome en niet in Brussel, want België heeft geen stadion. Het Eurostadion kwam er nooit. En het project dat zogezegd de belastingbetaler geen euro zou kosten, wel, dat dreigde toch op slinkse wijze meer dan 200 miljoen euro belastinggeld te kosten. Wel, het Eurostadion is er dus nooit gekomen, maar de Voetbalbond zet in de plaats daarvan dus in op de verbouwing van het Koning Boudewijn Stadion. En 3 jaar geleden presenteerde de Voetbalbond nog met toeters en bellen hun plannen voor de Golden Generation Arena. En deze moest in 2022 klaar zijn, maar we zijn nu midden 2021 en het lijkt windstil. De Voetbalbond vreest een herhaling van het scenario van het Eurostadion. En CEO Peter Bossaert zei vandaag, ik citeer, we zijn kandidaat voor het WK vrouwenvoetbal in 2027, maar we hebben geen stadion. Die klok begint nu wel echt te tikken. En de Voetbalbond rekent overigens niet op private investeerders, terwijl een upgrade van de Heysel toch zo'n 200 miljoen euro zou kosten. Ik citeer, dit is een nationaal stadion, gefinancierd met geld van de overheid. Op de plaats waar het Koning Boudewijn Stadion staat, is het niet toegelaten om meer activiteiten te organiseren dan de nationale ploegen, atletiekwedstrijden en concerten. Gezien we daartoe beperkt zijn, zullen we geen private partij vinden die daarin wil investeren. Einde citaat. Dus mijn vragen voor u, meneer de minister-president, ten eerste, wat is de stand van zaken met betrekking tot de renovatie van het Boudewijn Stadion en welke afspraken zijn er gemaakt? Ja, mijn excuses. Met premier De Croo. En ten tweede, is het project NEO een obstakel voor de renovatie? Alvast bedankt. Dank u, monsieur le ministre-president. Meneer de minister-president. Interessante actualiteitsvraag. Ik zoek nog naar het concept actualiteitsvraag. Want, ja, vandaag. Wat gebeurt er? Ja, de CEO van de Voetbalbond. Ja, maar. Wat. Ik heb u hierover immers op 26 april al een antwoord gegeven in de commissie territoriale ontwikkeling. En dus het zal hetzelfde antwoord zijn. Het federaal beleidsniveau is inderdaad het best geplaatst om dit dossier van het Nationaal Stadion ter hand te nemen, omdat het moet zorgen voor de budgetten ad hoc die ons land een stadion kunnen geven dat die naam waardig is. Het renovatiedossier van het Koning Boudewijn Stadion, dus een infrastructuur die toebehoort aan de stad Brussel, wordt gestuurd door de stad Brussel. Het is ook de stad die dus in staat voor de noodzakelijke raadplegingen. De rol van het gewest blijft daarbij zeer, zeer, zeer beperkt.
tot het verdedigen van een klare visie voor wat betreft territoriale ontwikkeling, stadsvernieuwing en attractiviteit van het grondgebied. Beslissingen in deze context worden genomen zullen uiteraard een weerslag hebben op de ontwikkeling van de IJsselvlakte, een prioriteit van het gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling. Over een standpunt van de Brusselse regering, het stadion is verouderd en wij zijn niet tegen het principe van een renovatie. Punt aan de lijn. Maar het is wel zo dat het verdere beheer van een stadion op de IJssel contractueel enkel haalbaar is op basis van de bestaande modaliteiten voor de exploitatie en dus met de wedstrijden van de nationale ploeg, de Memorial van Damme en een aantal concerten per jaar. En dus, NEO is natuurlijk geen obstakel, dat zou te gemakkelijk zijn. Een nationaal stadion is een bestaand stedelijk weefsel. Die zorgt voor een aantal uitdagingen voor de integratie van de cohabitatie van functies. Maar de IJsselvlakte staat globaal ook voor een ontwikkeling. En het is juist, er is een raming op 200 miljoen euro. Maar meer kan ik nu niet zeggen. Merci, dank u meneer de minister-president. Meneer Van den Borre. Ja, dank u wel, minister-president, voor uw antwoord. Het lijkt mij toch zeer actueel, hè, natuurlijk vandaag, het begin van Euro 2020. Maar natuurlijk hebben we ook de verklaringen van Peter Bossaert, die zich echt wel zorgen begint te maken. En... Micro. In dit dossier. Het is hoog tijd dat ze zich zorgen beginnen maken in dit dossier, zegt u. Wel, dat is duidelijk een statement, denk ik. Op een ander project. Dus, Oké, dank u wel. Dat is bijna een revanchisme, denk ik, als ik u zo'n beetje bezig hoor. Omdat het... Ja. Er was geen van we hadden geen budget daarvoor. Hè, en dus we hebben geen budget voor een investering in een nationale stadion. Ja. Dan wordt het natuurlijk wel heel moeilijk. Hè. Als meneer Peter Bossaert duidelijkheid wil, dan heeft hij het wel voor een deel gekregen, denk ik, vandaag. Ik zie alleszins geen enthousiaste minister-president die een rol wil spelen in dit dossier. Hè. U zegt van ja, u schuift het een beetje van u af. U zegt, staat Brussel en federaal moeten het maar regelen. Ja, maar natuurlijk op die manier. Hè, we hebben een timing. De voetbalbond heeft een timing voorop gezet. Ja, lijkt me dat dat ook het volgende project doodgeboren blijkt, hè, met zo weinig enthousiasme. En u weet het, hè, op zich principieel zijn we altijd voorstander geweest van een renovatie van dit stadion. Maar natuurlijk, hè, dat moet dan denk ik multifunctioneel zijn. En uiteraard ook moeten de privé-investeerders hier alle kansen krijgen om daar een succesvol project van te maken. En dat staat toch op gespannen voet met het project NEO. Dus toch bedankt voor die verduidelijking vandaag. En ja, ik hoop dat Peter Bossaert dit antwoord ook dank mee volgt. Dank u, meneer Van den Borre. L'incident est clos. Nous passons à présent à la question de monsieur Gaëtan Van Gwatsenhoven, adressée à monsieur Vervoort, relative aux nouvelles orientations annoncées du PAD Josaphat. Vous avez la parole, monsieur Van Gwatsenhoven. Je vous remercie, monsieur le président. Monsieur le ministre-président, suite au rejet en commission de la proposition de résolution de mon groupe relative donc à l'étude de faisabilité de la mise en œuvre d'une réserve naturelle sur la partie ouest de la friche Josaphat. La coprésidente écolo a affirmé dans la presse vouloir sauvegarder la friche. D'ailleurs, depuis lors, c'est été doublé par une petite vidéo avec les deux coprésidents et je vous la recommande. Cette sortie remet évidemment clairement en question le projet de PAD. Pourriez-vous nous confirmer que le nouveau projet, qui devrait manifestement voir le jour et être finalisé cet été, présentera un projet complètement différent qui fait une large portion à la conservation et à la préservation de la biodiversité? Quelle sera dès lors la partie préservée dans le nouveau projet de plan? Quelles sont les nouvelles grandes orientations prises dans ce dossier, devenues symboliques des tensions qui existent évidemment dans notre ville, dans notre région, entre les objectifs de densification et puis ceux, évidemment, de la place de la nature en ville, en milieu urbain? Je vous remercie dès à présent pour les réponses que vous pourrez nous formuler.
Merci, Monsieur le Ministre Président. Ben oui, donc j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer récemment, d'ailleurs, en commission de développement territorial sur ce sujet, ainsi que lors d'une question d'actualité que vous m'aviez posée sur l'avenir du site. Comme déjà indiqué à maintes reprises, le gouvernement sera saisi du plan remanié avant l'été, comme je m'y étais engagé suite à l'enquête publique et aux avis des instances. Et je ne vais évidemment pas rentrer ici dans le détail d'un plan dont les contours n'ont pas encore été approuvés par le gouvernement, mais j'ai déjà indiqué dans mes réponses antérieures dans quel sens le projet allait évoluer. Bien évidemment, nous n'avons pas été, sourds aux enjeux soulevés sur le site, l'enjeu climatique, les évolutions démographiques, la crise du Covid qui a accentué le besoin en espace vert, mais aussi en logement de qualité abordable. Tout ça, ça fait partie, je dirais, des éléments qu'il faut prendre en compte quand on développe un projet. Oui, un plan remanié proposera un nouvel équilibre entre ces différentes fonctions. Et oui, la biodiversité y trouvera l'espace qui doit lui revenir pour préserver la qualité de notre environnement urbain. Et pour le reste, je pense qu'effectivement, il appartiendra au gouvernement de trouver cet équilibre entre ces différentes fonctions. Et c'est sur quoi nous allons travailler. Et donc, je pense que nous pourrons vous proposer, enfin, vous plus largement, pourrons proposer un projet remanié d'ici quelques semaines. Merci, Monsieur le Ministre Président. Monsieur Van Goetzenhoven. Merci pour cette réponse qui est très cadrée, d'ailleurs presque inaudible. Je ne sais pas si votre micro était branché. Évidemment, on n'a pas appris grand-chose, mais ce qui est interpellant, c'est évidemment le côté péremptoire de certains nombres de déclarations et d'un autre côté le fait qu'on nous dise ici que ce n'est pas le moment pour nous dévoiler quoi que ce soit. Or il y a des affirmations très fortes et il est clair que nous serions extrêmement déçus qu'il y ait un fossé entre ce qui est affirmé dans les médias et puis cet objectif semble-t-il jugé comme essentiel et considérable, une véritable préservation, sauvegarde de la friche Josaphat, telle que cela a été dit et répété dans les médias, tant écrits qu'audiovisuels. Nous allons évidemment suivre ce dossier, mais je ne vous cacherai pas effectivement notre stupeur parfois à voir évidemment, le fossé qui existe entre les déclarations et puis les choses telles qu'elles semblent devoir se dérouler. En tout cas, nous serons très attentifs parce que merci, ce Monsieur dossier Van Goetzenhoven. Merci beaucoup. Voilà, comme l'oratrice qui n'est pas présente ici, la question est donc retirée. Ceci clôture la séance des questions d'actualité du Parlement de la région bruxelloise. Je suspends la séance du Parlement et j'ouvre la séance de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Et notre séance d'actualité commence par la question de Madame Frémaux, adressée à Monsieur Marron et Madame Van den Brande, relative à la manifestation de médecins du CHU Saint-Pierre en faveur de la constitution d'un réseau des hôpitaux publics bruxellois. Vous avez la parole, Madame Frémaux. Merci, Monsieur le Président. Donc, BX1 a notamment relayé cette semaine une manifestation des médecins du CHU Saint-Pierre qui exprimaient leur mécontentement face à l'absence de concertation dans la constitution et l'élaboration du projet de réseau hospitalier XXL. On a eu l'occasion déjà d'en discuter à plusieurs reprises en commission. Il apparaît quand même que le projet finalisé ait été soumis aux conseils médicaux en novembre 2020, 11 mois après l'échéance officielle du 1er janvier 2020, que ce projet a été massivement rejeté par les conseils médicaux tant de Saint-Pierre que de Bruckmann. De plus, aucune concertation ne semble avoir été organisée lors de l'élaboration du projet. Le CHU Saint-Pierre dénonce par ailleurs un accaparement exclusif du projet par le politique et le manque d'ouverture dans le cadre des négociations en n'intégrant absolument pas le corps médical. Mes questions sont donc les suivantes. Quels sont les acteurs bruxellois qui ont été concertés dans l'élaboration du réseau hospitalier? Et ceci de façon précise. Est-ce que les médecins, via les conseils médicaux des hôpitaux, ont été consultés aussi? Et si oui, à quelle fréquence l'ont-ils été? Et dans quelle mesure? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi est-ce que cette concertation n'a pas eu lieu? Troisième point, c'est quelle est la réaction de votre cabinet, des administrations, quand il y a le rejet des conseils médicaux des CHU Saint-Pierre et Bruckmann
du projet finalisé, puisqu'on se trouve à ce moment-là dans une véritable impasse. Et est-ce qu'il est déjà arrêté dans votre chef que les demandes des médecins, soit une négociation urgente avec leurs représentants, seront rencontrées? Je vous remercie. Merci, Madame Frémaux. Monsieur Marron. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Bien, comme vous le savez, les tractations pour la formation des réseaux hospitaliers ne sont pas sous ma tutelle. Ce n'est pas moi qui organise les tractations pour la confection des réseaux. Du reste, un certain nombre de réseaux sont confectionnés, notamment autour de l'UZ ou autour de l'UCL Saint-Luc, et vous admettrez qu'ils se sont constitués par eux-mêmes sans aucune intervention de la part du cabinet ou de mon cabinet ou de la part du gouvernement. Le fédéral oblige les hôpitaux à se mettre en réseau. Le problème, c'est que les tractations sont complexes parce que la coquille est un peu vide. Le fédéral oblige les gens à se mettre en réseau, mais pas vraiment pour leur dire déjà pourquoi faire. Et donc, il y a beaucoup d'imaginaires et d'interprétations autour de ce que peuvent être les réseaux. Je pense que ça découle un peu de ce vide, du descriptif même de ce que c'est un réseau dans la législation fédérale. À ce stade, il semble que les actionnaires des 7 hôpitaux bruxellois qui ne sont pas encore dans un réseau aient estimé que la meilleure option possible était un réseau XXL les regroupant tous. Il est vrai qu'aucune autre option ne semble recueillir un niveau suffisant d'adhésion. En fait, il n'y a pas d'alternative crédible qui semble tenir la route, donc il semble qu'on s'oriente dans cette direction-là. Un projet déjà bien avancé était présenté au pouvoir organisateur et aux conseils médicaux en novembre, mais visiblement, ça n'avait pas été suffisamment co-construit, et donc ça a froissé, raidi les conseils médicaux et un certain nombre d'autres actrices et acteurs de terrain. On me dit que depuis lors, il y a plus de concertation, plus de dialogue, et que les projets ont évolué, que le projet même de réseau évolue, entre autres pour répondre aux points d'attention des conseils médicaux. J'ai personnellement rencontré les présidents des conseils médicaux de Bruckmann et de Saint-Pierre et bien entendu leurs différentes doléances et points d'attention. Je les ai communiqués vers les négociateurs. C'était la seule chose que je pouvais faire. Leur crainte principale, c'est évidemment du démantèlement de services publics ou une absorption du service public par le privé ou par l'universitaire. C'est un des points d'attention de Saint-Pierre, hein, vous le savez. Moi, j'essaie de faire en sorte qu'en tout cas, au niveau de la tutelle sur la fêtière Iris du gouvernement, nous n'acceptions pas des statuts éventuels d'un éventuel réseau XXL qui comporterait des risques réels de démantèlement du service public ou d'absorption de celui-ci. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Frémaux. Alors simplement, avant que vous répondiez, Madame Frémaux, certaines personnes me signalent que sur YouTube, quand vous répondez, quand les membres du gouvernement répondent, vous ne répondez pas devant le micro, vous êtes quasiment inaudible sur YouTube. Voilà, je vous le signale. Madame Frémaux. On va parler plus fort. Voilà. Madame Frémaux, vous avez la parole. Je remercie Monsieur Marron pour votre réponse. Je la trouve relativement ambiguë dans la formulation de la première phrase, en rappelant en fait quelle est la tutelle ou pas que vous ayez dans cette sphère de compétences, et en même temps en disant que vous avez rencontré les conseils médicaux. Donc je pense que soit vous êtes dedans, soit vous êtes dehors. Or, à un certain moment, je vous ai interrogé depuis plusieurs mois sur le sujet, et vos réponses étaient plus fournies. Maintenant que ça cale, et que ça cale sérieusement, on a l'impression que vous donnez une traduction un peu de l'ordre de vous retirer, vous vous mettez bien loin des ennuis qui sont en train de poindre. Et la question, c'est que si le 3 juin, on a encore une manifestation qui se déroule et qu'elle est très expliquée, très détaillée, je n'ose pas imaginer que c'est parce que les choses avancent dans un bon sens. Et dès lors, je pense que vous avez une responsabilité par rapport à ça. Vous ne pouvez pas dire cela ne me concerne pas directement, donc je ne m'y implique pas, tout en voyant les conseils de direction. Donc, je crois qu'il est urgent de faire en sorte que les demandes de celles et ceux qui vont opérer en première ligne soient rencontrées dans cette configuration. Merci, Madame Frémaux. L'incident est clos. Nous passons à présent à la question de Madame Delphine Chabert, toujours adressée à Monsieur Marron et Madame Vandenbrand, relative au développement récent d'initiatives privées dans le domaine de la santé mentale en ligne. Madame Chabert, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais vous parler d'une start-up bruxelloise que je ne peux pas nommer ici, mais qui vient de lancer une plateforme qui veut améliorer l'accès aux soins de santé mentale via des consultations en ligne. Alors, l'idée, c'est de faciliter le premier pas vers un psy
parce que c'est vrai, c'est un frein pour beaucoup de personnes. Alors, comment ça va marcher, cette appli? L'utilisateur répond à une série de questions, pourquoi il veut consulter, ce qu'il attend d'un professionnel. Et puis, sur base de ces réponses, l'appli va suggérer le nom d'un thérapeute. Ensuite, l'utilisateur fait connaissance avec lui par un chat. Et alors, la consultation se passera en ligne. Alors, il y a cette plateforme, mais elle n'est pas la seule. Et dans l'article de l'Écho sur lequel je me base du 10 juin, on voit que ça explose, en fait, et qu'il y a plein d'autres projets d'assurance privée ou de start-up. Donc, des projets commerciaux qui, chacun à leur manière, offrent des solutions, mais qui, à mon sens, posent deux questions, voire deux problèmes. D'une part, ils sont marchands et en plus, ils sont uniquement numériques. Alors, comprenez-moi bien, je ne suis pas technophobe, je suis tout à fait convaincue que ces technologies peuvent aider, notamment pour rapprocher ces usagers, enfin, en l'occurrence, ces clients, vers le champ de la santé mentale qui fait peur pour beaucoup, mais on est dans le champ de la santé. On parle d'une politique qui, pour le groupe socialiste, doit rester une politique publique parce que c'est la seule manière de garantir un accès égal, des soins de qualité à tous les citoyens et les citoyennes. Et pour finir, je trouve qu'en fait, ces projets soulèvent beaucoup plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. D'où mes questions, Monsieur le Ministre. Avez-vous connaissance du développement de ces initiatives privées dans le système de la santé? Et j'aimerais évidemment connaître votre avis là-dessus et de vous entendre sur la façon dont vous allez éviter les problèmes liés à la fracture numérique. Comment on va garantir un accès pleinement démocratique à des soins et un accompagnement en santé mentale à tous et à toutes sur le territoire bruxellois? Et puis enfin, quelles sont les mesures prises par les pouvoirs publics pour renforcer l'accessibilité aux soins en santé mentale, notamment par la digitalisation et par des alternatives à la digitalisation? Je vous remercie pour vos réponses. Merci, Madame Chabert. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Chabert, pour aller dans le micro. Votre question est fort, fort large. Donc je pense que dans le cadre d'une question d'actualité, c'est peut-être un peu compliqué d'y apporter des réponses tout à fait complète. Néanmoins, il est évident pour tout le monde et pour tous les acteurs de la santé mentale qu'il faut multiplier les canaux de contact possibles entre les personnes, les bruxelloises et les bruxelloises, et l'offre de soins en santé mentale. Et la technologie peut être un excellent facilitateur et relais et permettre de toucher des publics qui sinon ne sont pas touchés dans différentes classes sociales. Pas seulement chez les personnes privilégiées, aussi chez les personnes moins privilégiées, pourtant qu'elles aient accès à un téléphone ou à un ordinateur. Donc, je ne dis pas ça pour nier la fracture sociale, je dis juste que c'est utile pour tout le monde. Ça fait baisser... voilà. La meilleure preuve, d'ailleurs, c'est qu'un certain nombre de services de santé mentale agréés par le public et qui travaillent dans une optique sociale travaillent avec des moyens numériques et travaillent à rentrer en contact, à faire de l'outreach ou à ouvrir leurs portes, entre guillemets, en travaillant via les réseaux sociaux, etc., etc. Et donc, la question de la numérisation de l'accès à la santé mentale est très complexe, mais elle est d'abord, à mon avis, elle doit d'abord être vue de manière positive, en tout cas quand elle est portée par les différents acteurs eux-mêmes et qu'elle rencontre du public et qu'elle permet de répondre à des attentes. Quand la Ligue belge de santé mentale travaille sur les questions, elle est très claire. Elle dit il faut des permanences d'accueil physique, il faut de l'accueil téléphonique, il faut des réseaux sociaux, il faut de la technologie, il faut de l'outreach. Et c'est vraiment dans cette direction-là, je pense, que le secteur lui-même, y compris non marchand, ou en tout cas pas à but lucratif, désire travailler. Pour le reste, dans le cadre du plan de relance, hein, vous le savez, on a visé à renforcer l'accessibilité aux soins et aux opérateurs en santé mentale par une multitude d'actions, et ça va devoir être poursuivi, voire amplifié à l'avenir. On a déjà eu l'occasion d'en discuter à plusieurs reprises, et je ne doute pas une seule seconde qu'on en discutera encore. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Chabert, pour une courte réaction. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos réponses. En effet, on va en reparler, parce que la crise de la santé mentale, on est dedans. Mais celle qui est devant nous, elle va être énorme. Et on est vraiment face à un risque de privatisation d'une politique publique, une politique de santé. Alors, j'entends, je sais très bien, les projets qui sont menés actuellement, notamment de consultations en dehors des murs, d'outreaching, etc. Mais on attendra des mesures très, très fortes. On sera impatients de voir aussi, dans la commission sociale santé, le plan. On espère un plan ambitieux, un plan d'accès aux soins de santé mentale à chaque citoyen, où qu'il habite à Bruxelles. Donc, on sera impatients de voir vraiment les mesures coordonnées, ambitieuses et à long terme qui seront prises pour répondre aux enjeux de la santé mentale. Merci.
Merci, Madame Chabert. L'incident est clos. Nous passons à présent à la question de Madame Françoise De Smet, adressée à Monsieur Marron, relative au suivi réservé aux exigences du secteur non marchand bruxellois à la lumière d'une manifestation récente. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Ministre, donc hier, les travailleurs du secteur non marchand ont commencé une action de camping devant le cabinet du ministre Gatz, parce que ça fait un an qu'ils se mobilisent et qu'ils se battent et qu'ils demandent au gouvernement bruxellois de dégager 100 millions pour de la revalorisation et de l'augmentation de personnel. Alors, comme tout le monde n'a pas eu l'occasion de les voir en vrai hier, je vous ai ramené une petite vidéo, justement, où ils rappellent leurs revendications. Voilà. Seulement, Monsieur le ministre... On n'arrête pas le progrès, je suis impressionné. Oui, c'est une manière de rapprocher le citoyen et le politique. Alors, Monsieur le ministre, hier à 22h, ces mêmes travailleurs ont été expulsés de manière comme des malpropres par la police de leur petit campement devant le cabinet du ministre Gatz. Alors, vous avouerez, Monsieur le ministre, que c'est quand même une manière honteuse de traiter ces travailleurs qui ont tout donné depuis un an. Des travailleurs dans les maisons de repos qui ont tout donné depuis un an et hier, à 22h, on les expulse par la police alors qu'ils étaient en train de mener une action parfaitement pacifique où ils réclamaient donc 100 millions pour de la revalorisation et des engagements. Ça fait un an qu'ils se battent et ils ont raison de le faire parce qu'en Flandre, je le rappelle, il y a déjà un accord qui a été conclu pour de la revalorisation et des augmentations de personnel. En Wallonie, il y a 250 millions qui ont aussi été promis. Et ici, à Bruxelles, on reste avec des cacahuètes d'ici 2024. Alors, le 20 mai, ils ont enfin pu vous rencontrer avec quelques promesses vagues. Et depuis, c'est le silence radio. Alors, mes questions sont très simples, Monsieur le ministre. C'est de savoir qu'est-ce que vous avez encore prévu comme plan à leur donner d'ici l'été et les vacances. Qu'est-ce que vous avez prévu au niveau de leur demande, au niveau d'augmentation de salaire pour tout le secteur, au niveau de la réduction du temps de travail, au niveau des aménagements de fin de carrière, au niveau des 3 semaines de congés consécutives et au niveau du transport en commun gratuit qu'ils demandent. Je vous remercie. Merci, Madame De Smet. Monsieur le ministre. Voilà, merci, Monsieur le Président. Donc, dans le cadre de la négociation d'un accord non marchand 21-24 qui a débuté en janvier dernier, le gouvernement s'attellera à répondre aux besoins du secteur exprimés par les partenaires sociaux des différents secteurs. Ainsi, la rencontre du 20 mai avec les partenaires sociaux avait pour objectif 2 choses, pouvoir entendre et répondre aux revendications syndicales quant à la thématique de la soutenabilité des métiers sur une carrière et de s'engager à conclure un premier accord pour le mois de juillet relatif aux mesures dites qualitatives, à savoir les 3 semaines de congés consécutives, la généralisation du plan tandem, la réduction du temps de travail versus et amélioration de l'embauche compensatoire. Donc actuellement, on a 37 heures semaine via la réduction du temps de travail d'une heure par semaine, ce qui correspond à 6 jours de congés supplémentaires par an. Horaire fixe, donc recevoir l'horaire de 31 du mois qui précède pour le mois suivant. Ce sont des engagements qui relèvent de la concertation entre employeurs et travailleurs, raison pour laquelle des groupes de travail ont été invités à discuter de ces différentes mesures. En date du 29 octobre dernier, les collèges de la COCOM et de la COCOF, avec le soutien de la région, ont décidé d'octroyer une enveloppe budgétaire dédiée aux non-marchands. Toutefois, dès l'ouverture des discussions, les partenaires sociaux ont réitéré leur demande d'une augmentation substantielle des montants dédicacés à un accord à hauteur des moyens libérés dans les autres entités, ainsi que de l'élargissement du périmètre de financement des mesures inscrites dans la décision du 29 octobre 2020 aux travailleurs affectés au support des missions organisées par les dispositifs réglementaires et à de nouveaux secteurs. Le collège du 25 mars 2021 m'a chargé de mener une évaluation avec l'aide des administrations quant à l'élargissement du périmètre de l'accord du non-marchand afin de pouvoir estimer budgétairement le coût d'un éventuel élargissement. Il a donc été demandé aux services des administrations de la COCOF et de la COCOM de mener une analyse quant à l'élargissement du périmètre financé à cet effet, donc de pouvoir, je dirais,
déterminer le montant global que cela représenterait. Ainsi, afin de répondre aux revendications des partenaires sociaux, j'ai travaillé avec mon cabinet et le cabinet de Madame Tracht sur un autogouvernement qui aura pour objectif d'élargir l'implémentation de ce périmètre et de voir ce que nous pouvons faire en termes budgétaires. À l'occasion précisément de cette rencontre du 20 mai dernier, nous avons décidé de renvoyer au mois de septembre, c'est-à-dire au moment où se fera l'ajustement budgétaire, l'analyse et la décision de la demande d'élargissement de ce périmètre et de l'augmentation afférente au niveau budgétaire. Et donc c'est une note qui fait pour l'instant l'objet, un point qui fait l'objet de discussions entre les différents cabinets concernés, qui devra encore faire l'objet d'une présentation, d'un accord au sein du gouvernement, enfin plus précisément du collège réuni. Et alors concernant la mesure mobilité, des discussions sont en cours avec le cabinet de Mme Vandenbrand, résultat d'une analyse de la STIP relative aux aspects pratiques de la mise en œuvre de cette mesure est attendue dans les prochains jours, prochaines semaines. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Merci Monsieur le Ministre Président. Madame de Smet. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre-Président, pour vos réponses. Juste rappeler que les travailleurs attendent vraiment un plan concret et effectivement de savoir quelle enveloppe sera précisément dégagée encore d'ici avant l'été. Donc, vous parlez de septembre, j'entends bien, pour l'ajuster. Mais ils demandent vraiment d'avoir des éclaircissements sur l'enveloppe qui serait dégagée donc avant l'été. Je vous remercie. Merci, Madame de Smet. L'incident est clos. Het is nu de beurt aan de heer Gilverstraten voor zijn vraag aan meneer Marron betreffende recente wijzigingen in de COVID-19-vaccinatiestrategie van het Verenigde College. Meneer Verstraten, u hebt het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Goedemiddag, geacht collegelid. Vandaag weer al een aanpassing in de vaccinatiestrategie, weer een voortgang. Mensen van, die geboren zijn in het jaar 90 of ouder zijn dan dat, mogen zich inschrijven, mogen zich aanmelden om een vaccin te krijgen. Zo gezegd vanaf 6 uur vanavond, maar ik kan u meedelen dat dat bij veel mensen die ik ken hebben vastgesteld dat dat eerder deze ochtend ook al mogelijk was. Dus die communicatie klopte al niet en ik heb weer van verschillende gevallen gehoord van mensen die, als zij beweren, een uitnodiging hebben gekregen, dat ze bellen naar het callcenter, dat ze op die manier ook een afspraak vastkrijgen. Dus kunt u de vraag stellen hoe sluitend uw nieuw systeem Bruvax wel is. Maar bon, laten we wel wezen, het is de bedoeling dat iedereen zo snel mogelijk een prik krijgt. Maar wat dat mij bezorgt, is dat we wel heel snel bepaalde mensen voor een prik aan het uitnodigen zijn. We zijn nu bezig eigenlijk aan de 30-plussers, maar we stellen vast dat van 55 tot 64 we nu aan 70% zitten, van 45 tot 54 qua leeftijd nog maar aan 62%, 35 tot 44 nog maar aan 38%. Dus u zal begrijpen, meneer Marron, dat ik mij zorgen maak. Als ik de vergelijking maak met cijfers in Vlaanderen en Wallonië, dan liggen die in verschillende leeftijdscategorieën veel hoger. En als je dan kijkt naar de algemene vaccinatiegraad, 18+, in Vlaanderen zit men aan 61%, Wallonië 60%, in Brussel 43%. En u verwijst altijd naar het feit dat er veel Vlamingen en Walen gevaccineerd zijn in Brussel. Dat klopt. Maar ik hoor ook van verschillende fronten dat u eigenlijk enorme overschotten dosissen AstraZeneca hebt waar u niet van afgeraakt op dit moment. Dus ik maak mij zorgen. Wat wij dachten, namelijk dat de jongere leeftijdscategorieën minder vaccinbereid zouden zijn, lijkt zich effectief door te zetten. Dus vandaar mijn vragen voor u, meneer het collegelid. Kan u een beetje bevestigen waar we zijn momenteel? Waar zitten de problemen? Hebt u effectief dosissen AstraZeneca op overschot waar u moeilijk van afgeraakt op dit moment? Hebt u een beeld van wat de vaccinatiebereidheid is bij de verschillende categorieën? 45 tot 54, 55 tot 64, et cetera. Waar dat we gaan landen? Ah, excuseer. Ja, ik ben ver over mijn tijd. Dank u, meneer Verstraten. Monsieur le ministre. Dank u, meneer de voorzitter. En dank u, meneer Verstraten. Wat de inschrijvingen voor personen jonger dan 65 jaar betreft, hebben wij vorige week de inschrijvingen geopend voor personen ouder dan 36 jaar en de wachtlijst voor personen ouder dan 31 jaar.
van de bijna 100.000 geregistreerde personen tussen 36 en 41 jaar hebben er al 36.000 een eerste dosis gekregen. 16.000 personen hebben een afspraak gemaakt. Vanaf 6 uur kunnen personen ouder dan 31 jaar zich inschrijven op Bruvac. Ik kan u zeggen dat het nu al kan, meneer de minister. Het kan nu al. Dus ze moeten niet wachten tot 6 uur. Het kan nu al. Non, alors certains peuvent le faire, ceux qui ont reçu leur invitation. Oké. Voor een afspraak in de komende weken. Volgende week hebben wij al 45.000 afspraken voor 66.000 beschikbare slots. Dat betekent dat momenteel al 70% is ingevuld. De opening van de inschrijvingen en de wachtlijst is noodzakelijk vanwege de aanstaande levering van grote hoeveelheden vaccins in België, voornamelijk van Pfizer. Hierdoor kunnen de vaccinatiecentra op volle toeren draaien. Met betrekking tot de acties om de bereidheid van jongeren te vergroten, worden verschillende gerichte communicatiecampagnes gevoerd via de sociale media met videoclips van verschillende influenceurs en andere acties en Facebookpagina's die aan dit doel zijn gewijd. We gebruiken ook affiches voor jongeren in het openbaar vervoer en in heel de stad. Met betrekking tot AstraZeneca, de leveringen laten niet meer toe om nog eerste doses toe te dienen. Voorlopig moeten we de doses en leveringen van AstraZeneca bewaren om alle tweede doses te garanderen voor personen die al een eerste keer zijn gevaccineerd. Oké. Meneer Verstraeten, voor een korte reactie. Ja, om te beginnen, uw informatie klopt al niet. Hè. Het klopt niet dat pas vanaf 6 uur is mensen die ook nog niets nougatbollen van uitnodiging hebben gekregen, konden zich ook al vanochtend inschrijven. En ik heb dat dan zelf ook maar gedaan. Dus uw informatie klopt alvast niet. Ja, ik ben inderdaad zeer blij dat ik mijn eerste vaccin kan krijgen in Anderlecht deze zondag. Ik kijk er al naar uit. Maar uw informatie klopt dus niet. Ik moet zeggen, qua campagne om zich te laten vaccineren in het openbaar vervoer, dat ik regelmatig neem. Maar eigenlijk, te koer qua campagne, heb ik nog niet zo heel veel gezien. Ik denk dat u daar nog wat meer moeite zal moeten doen, in ieder geval. Als we willen landen op die 70%, in Brussel zijn we toch echt wel nog ver af van die kaap. En lopen we achter op de rest van het land. Dus ik hou echt mijn hart vast over waar we gaan landen. Dank u, meneer Verstraeten. Het incident is gesloten. Voilà, ceci clôture notre séance de questions d'actualité de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Je vais suspendre nos travaux et je vais réouvrir la séance du Parlement régional bruxellois. Et nous poursuivons notre ordre du jour avec la discussion générale conjointe de la proposition de résolution de Madame Hadjik, Madame Deré, Madame Nagy, Mevrouw Stoops, Mevrouw Zamouri et Monsieur Haïdar. Proposition de résolution tendant à lutter contre les cyberviolences. C'est le document A331-1 et 2. Ainsi que la proposition de résolution de Mme Lefranc, Frémaux, Casady, M. de Beukelaar, M. Compagny, Mme Tettelbaum et Mevrouw de Baats, visant à instaurer une sensibilisation, une formation des acteurs de terrain, un financement du secteur associatif, ainsi que la création d'une application dans le cadre de la lutte contre la diffusion non consensuelle d'images et d'enregistrements à caractère sexuel. La discussion générale conjointe est ouverte. Et je cède la parole à M. Pitsès, rapporteur. Sauf s'il s'en réfère. Je vais lire une partie. Oui, je sais, la journée est longue, mais je vais essayer de... Il y avait qu'en plus une contrainte, c'est que je découvre que mon ordinateur va incessamment me lâcher. Donc c'est une sorte de course contre la montre. Voilà, c'est ainsi, c'est la vie. Oui, je... voilà. Alors,
Donc la discussion a eu lieu en deux séances, le 25 mai et le 1er juin dernier. Je voulais peut-être donner les traits généraux des interventions des unes et des autres. Revenir d'abord sur l'exposé introductif de Madame Leila Agic, qui d'abord pose le cadre général dans lequel cette résolution prend place. D'une part, des développements technologiques qui ont permis de renforcer la mise en réseau, l'expression des citoyens et des citoyennes à travers le monde, mais des réseaux sociaux qui sont également le lieu où s'exercent différentes formes de cyberviolence. Qu'on en soit victime ou témoin, la parole se libère. Madame Agic continue son exposé par essayer de définir les termes impliqués dans la résolution. Le terme cyberviolence désigne toutes les formes de violence existant sur Internet, le sexisme en ligne, le cyberharcèlement, le cybercontrôle au sein du couple, la diffusion de contenu à caractère sexuel explicite dans un but de vengeance, la divulgation de données personnelles, le fait de révéler l'orientation d'une personne sans son consentement, les comptes fichés, l'usurpation d'identité, la traque furtive obsessionnelle à l'égard d'une personne. Madame Agic poursuit, selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies, les femmes sont bien entendu les premières victimes de ces faits de violence. Alors, attendez. C'est un peu désagréable, mais c'est ainsi. Donc, définition du terme. Et alors, troisième exposé, troisième élément de l'exposé introductif de Madame Agic, donc une insistance sur le fait que les femmes sont les premières victimes de ces faits de cyberviolence. Alors, sur cette base, Madame Agic rappelle que, bien entendu, des voix s'élèvent, des études sont faites, des études sont mises en place, des reportages mettent en lumière un phénomène planétaire dont les conséquences peuvent être fatales. Et dans ce cadre, il faut agir, bien entendu. D'une part, il faut accompagner les victimes de cyberviolence en leur fournissant une information de qualité, en mettant en place une structure de soutien spécialisée dans la question de cyberviolence pour l'information et l'aide aux victimes, notamment. Un autre point important concerne la formation des agents de contact qui ont un rôle important à jouer. Et enfin, afin de lutter en profondeur contre les cas de violence, il faut sensibiliser et mettre en place des outils afin que les citoyens puissent s'épanouir dans le respect les uns des autres. Le système éducatif pourrait jouer un rôle majeur dans la sensibilisation des dangers des réseaux sociaux dès le plus jeune âge, notamment via les formations EVRAS. Le travail de sensibilisation ne doit pas s'arrêter aux victimes, mais aussi aux témoins, aux proches des victimes, aux auteurs et au personnel en première ligne. S'ensuit ensuite la discussion générale et une intervention de Madame Agic, qui considère bien entendu qu'il s'agit aussi d'un message important, que cette résolution est un message important après le travail réalisé par le Parlement francophone bruxellois. Madame Agic, comme beaucoup d'intervenantes par ailleurs, relève deux points. C'est que l'espace public s'élargit avec les réseaux sociaux, que chacun d'entre nous peut à la fois s'exprimer et subir ce que beaucoup rencontrent également en rue, c'est-à-dire du harcèlement, du racisme ou des agissements qui sont totalement inacceptables. L'intervenante resitue sa réflexion dans un cadre universaliste où chacun, avec son parcours et son appartenance, peut considérer que les luttes des uns et des autres sont des luttes légitimes à partir du moment où elles se fondent sur des valeurs d'égalité, de respect et d'expression d'une opinion qui doit être protégée dans l'espace réel mais aussi dans l'espace virtuel. Il faut dans ce cadre éviter la création de compartiments que plus rien ne relie, alors que tout le travail d'émancipation consiste au contraire à fédérer et à réussir avec une vision universaliste. Elle rappelle le cadre factuel dans où se situe son intervention. Lors des auditions sur le cyberharcèlement au Parlement francophone bruxellois, elle rappelle qu'il a été constaté que les femmes étaient particulièrement victimes de ce cyberharcèlement. Et alors, elle note qu'avec ses compétences, la région peut remédier de manière particulière à ce problème de l'accueil des victimes, de la formation des policiers qui reçoivent des plaintes. La région peut proposer une action efficace pour conforter l'information que le cyberharcèlement, comme le harcèlement, est un délit. La région peut aussi favoriser des campagnes ponctuelles sur les réseaux sociaux, notamment.
Madame Lotte-Stoops relève, quant à elle, que cette violence se concrétise dans des agressions très dures, qui conduisent également au suicide. Elle estime que dans le nouveau monde, en tout cas le monde qui s'ouvre suite à la crise que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, Internet a créé certes un nouveau monde qui se développe avec rapidité, mais de nouveau, elle considère que à ces opportunités correspondent aussi des inconvénients et des dangers. Elle souligne la nature intersectionnelle de la résolution qui est proposée ici à la délibération en plénière. La cyberviolence présente un aspect intersectionnel. Les personnes qui se trouvent dans une situation fragile ou qui relèvent d'une minorité présentent plus de chances d'être victimes de violences. Dès lors, il importe au niveau de la région d'adopter des mesures pour combattre la cyberviolence. Parmi celles-ci, il faut demander au gouvernement de lancer une campagne de sensibilisation orientée vers les victimes, mais aussi vers les auteurs. On oublie souvent que les auteurs ont aussi une histoire derrière eux. Il faut viser aussi les témoins et les familles. L'intervenante appelle à financer les associations qui s'occupent de cyberviolence dans leurs appels à projets. Des guichets physiques et virtuels doivent notamment être mis en place là où les victimes de cyberviolence peuvent trouver facilement de l'information. Madame Khadija Samouri, quant à elle, regrette que les travaux menés dans le cadre du Parlement francophone bruxellois n'aient pas été relayés à la Commission communautaire flamande. L'oratrice relève par ailleurs avoir été elle-même victime de cyberharcèlement, non pas pour des motifs sexistes, mais pour des commentaires désobligeants. Elle a été jusqu'à suspendre son compte Twitter. Elle note qu'il est heureux que cette résolution soit formulée de manière très large, au-delà de la politique politicienne, car il faut pouvoir accompagner chacun dans le vivre ensemble, en tenant compte du fait que la langue de demain sera une langue digitale. Madame Hilde Sab relève qu'elle a également fait l'expérience personnelle du harcèlement lorsqu'elle était journaliste. Chaque fois qu'elle rédigeait une rubrique pour mettre en garde contre les dangers de l'extrême droite, elle recevait des messages de haine jusqu'à des menaces de mort. Elle note que cette résolution représentait énormément à ses yeux en ce qu'elle prend au sérieux ce phénomène du cyberharcèlement. Elle estime qu'il est bon que des mesures soient prises et que l'on cesse de penser que les mots ne sont que des mots et qu'ils ne causent dès lors aucun dommage. Madame Margot Doré insiste sur le fait qu'il s'agit d'un sujet très important qui tient au cœur du groupe écolo parce qu'il est à la croisée de deux grandes questions. D'abord, les violences faites aux femmes et puis le rôle du numérique dans notre société comme outil au service de l'humain. Elle note une augmentation de plus en plus forte des violences en ligne et surtout une diversification du phénomène. C'est la raison pour laquelle, dans le texte, a été mis en avant le fait qu'il n'y a pas seulement le cyberharcèlement, terme réducteur dans l'imaginaire collectif, mais la cyberviolence qui est multiforme. Elle soulève trois points à cet égard. Premièrement, que faire des personnes qui tiennent des propos racistes ou sexistes? Il est important que le Parlement se saisisse de cette question parce qu'il faut que des outils évoluent, et d'ailleurs ils évoluent déjà. La question du format. La discussion publique est façonnée par des normes techniques, comme un tweet limité à un certain nombre de caractères, ou une publication éphémère sur Instagram. Or, cette norme technique rétrécit considérablement les formats. La question des violences doit être abordée avec un éclairage technique et numérique. Et enfin, un certain flou est entretenu du fait que cette violence virtuelle a longtemps été considérée. Et c'est là que mon ordinateur rencontre un véritable problème. Alors, je propose peut-être de me référer pour le reste de l'exposé aux écrits du rapport. Peut-être juste une chose et demie pour terminer. Madame Lefranc avait déposé également une proposition de résolution concernant la répression et la prévention contre le revenge porn. C'était un texte qui s'inscrivait dans le cadre de la résolution qui a été déposée, un cadre un peu plus précis, un peu plus restreint. Il a été décidé dans le déroulé de la commission pour l'égalité des chances et l'égalité entre les hommes et les femmes de joindre les discussions entre les deux textes. Madame Lefranc a eu l'occasion, et je m'en réfère alors aux écrits du rapport, d'exposer les raisons du dépôt de sa résolution. Il a été décidé finalement de ne procéder au vote que sur la résolution portant sur la répression et la prévention des cyberviolences. Et voilà, j'arrête ici. Merci beaucoup, Monsieur Pitsès, pour votre excellent rapport. Et le solde sera évidemment intégré au rapport. Alors, j'ai déjà comme inscrit sur le chat, j'ai vu Madame Leila Hadjik, Madame Zamouri, Madame Teitelbaum, Mevrouw Stoops. Alors, en séance, je vois Madame Lefranc, Madame Nagy, Madame Deré, Monsieur Verstraat, Monsieur Kenis, c'est à peu près tout le monde. Donc, je vais le faire dans
l'ordre. Et on va alterner. Et me vrai ou ça veut. Voilà. Alors on va alterner une fois quelqu'un à distance et une fois quelqu'un en présentiel. On commence donc par Madame Leïla Hadjik. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président et merci au rapporteur pour cette partie de rapport. Alors, au lendemain de la présentation de cette proposition de résolution en commission et de son vote, nous apprenions avec énormément de tristesse qu'une jeune adolescente de 14 ans à Gand s'était suicidée à la suite d'un viol dont les images avaient été diffusées sur les réseaux sociaux. Hier, à Charleroi, Manon, une streameuse que certains suivent sur Twitch ou dans des vidéos de la RTBF, disait qu'elle avait déjà recensé 1800 preuves, de son harcèlement parce qu'elle refuse de faire une dédicace à des hommes qui l'insultent, qui disent qu'ils vont la violer, l'égorger, qu'ils savent où elle habite et qu'ils savent qu'ils ne se feront pas prendre parce qu'ils ne laissent pas de traces sur Internet. Ces derniers mois, des voix s'élèvent, des études se mettent en place et des reportages mettent en lumière ce phénomène planétaire qui cause de plus en plus de victimes et dont les conséquences peuvent donc être fatales. Le récent documentaire « Sale pute » de Myriam Leroy et de Florence Henault a pu montrer à toutes et à tous que ces violences sont tous au virtuel et que leurs conséquences sociales et physiques sont bien réelles. Les récits des personnes cibles de cyberviolence ont quasi toujours un point commun, le sentiment de solitude. Parce que ces personnes ne savent pas quoi faire, comment réagir, où trouver de l'aide pour porter plainte ou faire réagir les plateformes. C'est pour répondre à cet appel que j'ai souhaité déposer cette résolution avec mon groupe et que nous avons été rejoints unanimement par l'ensemble de la majorité et au cours des discussions par le CDH avec Mme Lefranc et par Agora. Je voudrais profiter ici de cet instant pour remercier l'ensemble des collègues qui ont participé à ce travail, mais également l'ensemble de nos collaborateurs et collaboratrices. Dans cette proposition de résolution, sous la terminologie cyberviolence, comme l'a rappelé le rapporteur, nous pouvons entendre toute forme de violence existant sur Internet et malheureusement, elles sont effectivement très nombreuses. Le sexisme en ligne, le cyberharcèlement, le cybercontrôle sans découpe, le revenge porn, le doxing, l'outing, les comptes fichas, l'usurpation d'identité, la technique du lance-flamme, la technique du dénigrement, l'envoi de dick pics, le stalking et malheureusement, de nouvelles arrivent quasi quotidiennement. Nous sommes donc partis de plusieurs constats. Effectivement, d'abord, la fragilité des jeunes et leur hyperconnectivité, avec notamment l'émergence de réseaux sociaux où l'image et la mise en scène est constamment de plus en plus présente. Ensuite, les chiffres qui montrent clairement un caractère genré de ces cyberviolences, avec un rapport de l'ONU qui déclare que 73% des femmes ont déclaré avoir été victimes de violences en ligne. Et enfin, l'intersectionnalité des discriminations en ligne, à savoir que la prévalence est d'autant plus grande envers les personnes déjà marginalisées, comme notamment les travailleuses précaires, les personnes racisées, les personnes issues de la communauté LGBTQIA+, ou encore les personnes en situation de handicap. Alors les cyberviolences, nous y avons toutes et tous été confrontés. En étant la cible, et j'ai pu personnellement vivre cette expérience qui... aujourd'hui m'amène à ce que cette résolution soit finalement un aboutissement personnel, mais pas seulement, parce que c'est un combat qui est partagé par de plus en plus de personnes, malheureusement. En assistant en direct à un raid sur Twitter, en découvrant d'horribles commentaires sexistes, racistes, islamophobes, antisémites ou encore homophobes sous un article Facebook, ou en ayant un enfant de notre entourage qui est victime de harcèlement à l'école, et aujourd'hui cet harcèlement continue à la maison car les réseaux sociaux ont aboli toutes les frontières, même celles qui séparaient l'école et la maison. Alors, trop longtemps, lorsqu'il était question de violence dans l'univers numérique, ces violences étaient sous-estimées, n'étaient pas prises en compte. Trop longtemps, ce qui se passait sur les plateformes virtuelles était vu comme des événements virtuels. Alors, plusieurs points étaient primordiaux pour mon groupe politique, dont celui essentiel de soutenir et d'accompagner les victimes de cyberviolence en leur fournissant une information de qualité. D'abord, en soutenant effectivement la mise en place d'un guichet physique pluridisciplinaire permettant aux victimes de cyberviolence d'avoir un accès aux informations et au soutien nécessaire afin de leur permettre le dépôt de plainte. Il nous semblait essentiel, lorsqu'ils ont subi ces attaques face à des écrans, de pouvoir aussi se tourner vers des personnes physiques.
mais aussi évidemment de mettre en place un guichet virtuel et une application permettant aux victimes de cyberviolence d'avoir un accès complet aux informations s'ils souhaitent poursuivre leur démarche en ligne. Alors l'autre point important lorsqu'il est question de plainte, c'est évidemment la formation des agents de contact. La police a un rôle majeur à jouer lorsque la victime de cible et les cibles de cyberviolence trouvent le courage de pousser la porte d'un commissariat. C'est pourquoi nous tenions également à inclure une formation sur les cyberviolences dans la formation du ou de la référente plainte déjà prévue dans le plan de lutte contre les violences faites aux femmes de la secrétaire d'État Nawal Benamou. Enfin, le système éducatif pourrait jouer évidemment un rôle majeur dans la sensibilisation des dangers des réseaux sociaux dès le plus jeune âge, notamment via la généralisation de l'EVRAS. Le travail de sensibilisation et d'information ne doit pas s'arrêter aux victimes, mais doit également viser les témoins, les proches, les éventuels auteurs, mais aussi les professionnels de première ligne. C'est pourquoi il était pour nous essentiel d'instaurer un travail, notamment avec les centres de planning familial, afin de penser un système efficace de prise en charge, sans oublier la nécessité de renforcer les financements des associations de terrain luttant contre les cyberviolences. Alors, chers collègues, ça ne nous viendrait pas à l'esprit de dire à une femme, une adolescente, une personne transgenre, que la solution pour ne plus se faire agresser en rue est de ne plus sortir de chez soi. Nous ne pouvons dès lors pas nous satisfaire d'une situation où, pour ne plus être agressées en ligne, des personnes quittent les réseaux sociaux et quittent le monde virtuel. Oui, les réseaux sociaux sont aujourd'hui un espace public, et comme tout espace public, les femmes doivent avoir leur place, une place qui leur revient légitimement, pas une place où elles doivent se cacher, pas une place où elles doivent développer des techniques de protection et d'évitement, mais un espace où elles pourront pleinement exister, vivre et s'exprimer. Et lorsqu'il s'agit de femmes journalistes, de militantes, de scientifiques, d'enseignants, de politiques ou de toute personne qui désire s'exprimer, il en va de notre démocratie de leur garantir cette liberté d'expression, Et voilà, je vous remercie pour votre écoute et pour le vote que vous allez faire d'ici quelques minutes. Madame Deray, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mais donc, c'était important qu'on puisse travailler sur ce sujet de manière collective. Et donc, je voudrais à ce titre remercier vraiment tous les collègues qui ont travaillé sur les deux textes, que ce soit directement, puis par la suite aussi par différents amendements. C'était vraiment une dynamique très, très agréable. Et je pense que nous avons pu aller très, très loin sur le sujet. Alors, c'était aussi une manière, finalement, de garantir une place pour l'expertise d'un peu tout le monde sur ce très, très vaste sujet, puisque j'ai remarqué que dans notre Parlement, chacun avait un peu son approche en fait du phénomène des cyberviolences. Certains et certaines étaient sensibles aux enjeux qui concernent les enfants, la protection des mineurs. D'autres sont venus plutôt avec l'angle des violences faites aux femmes. D'autres encore avec des aspects plutôt liés à notre démocratie. Et du coup, je trouve que ce texte est l'aboutissement de quelque chose d'assez constructif au sein de ce Parlement. Alors, si ces discussions ont été aussi riches et aussi transversales, c'est aussi parce que c'est un phénomène qui est de grande ampleur, on l'a dit, qui est multiforme aussi, Madame Agic l'a rappelé, qui est transversal à toute la société, et tous ces accents qui sont différents en fonction des cibles auxquelles on s'attaque, mais aussi des plateformes sur lesquelles on se trouve et des techniques qui sont utilisées par les auteurs font en fait que ce problème est en effet quelque chose d'assez compliqué et complexe. Alors, Monsieur Pitsaïs l'a dit dans son rapport, la question des plateformes sociales est au cœur du projet des écologistes parce qu'en fait, c'est une question de société qui est derrière. Une question de société parce qu'on parle du numérique, mais d'un numérique qui n'est plus aujourd'hui toujours au service de l'humain. Pourquoi ? Parce qu'on voit dans le développement de l'intelligence artificielle, on se retrouve avec quelques dérives technologiques liées notamment aux données privées, parce qu'on se retrouve dans l'économie du numérique avec des géants qui viennent de l'étranger faire de l'ombre à nos projets belges, et parce qu'ici, dans le cadre des réseaux sociaux, on se retrouve avec une liberté d'expression qui est entravée par des plateformes sociales et par ceux qui diffusent la haine. Alors, à titre personnel, moi j'ai travaillé plusieurs années dans la communication
communication digitale. Et j'ai vu de mes yeux, finalement, en tant que professionnelle, l'évolution aussi de ces plateformes. Leur multiplication, ça c'est un fait, mais aussi le côté de plus en plus délétère, finalement, de certains réseaux sociaux, mais de tous les temps. Et depuis que Internet existe, la modération a toujours été un casse-tête. Et donc, il y a toujours eu des violences à l'égard des uns et des autres, surtout des unes pour le coup, et y compris des violences sexuelles et sexistes. Et donc, je pense que ce n'est pas un phénomène nouveau, mais que par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'on en parle dans un Parlement de manière aussi large. Alors, ce qui est nouveau aussi, c'est l'ampleur que tout cela a donné lors de la crise du Covid. Je ne vais pas reprendre les chiffres, mais l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux a largement augmenté. Et donc, c'est aussi une des raisons qui a fait que le travail est tout à fait à propos aujourd'hui. Alors, nous avons rappelé avec mon groupe pendant les échanges que c'était donc un phénomène qui était très multiple. Madame Magic l'a expliqué. On a aussi voulu insister sur l'importance de ce numérique qui est aujourd'hui devenu comme un prolongement de l'espace public. On sait qu'évidemment, il y a des cibles qui sont privilégiées. Je ne vais pas répéter les chiffres. Et que, en fait, certaines paroles dans notre société dérange quelque part, et que sur les réseaux sociaux aussi, lorsque des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir s'exprimer sur des sujets vont commencer à le faire, eh bien elles vont subir de plus en plus de pression. Et je ne peux m'empêcher, parce que je suis quand même une optimiste, de me rendre compte que c'est aussi une opportunité finalement que nous avons là, de pouvoir justement entendre des paroles qu'on n'entend jamais, des paroles qui ont parfois été silenciées au cours des années, et que donc ces plateformes sociales, si on arrive à bien les réguler, si on arrive à davantage éduquer les personnes à les utiliser dans un objectif plutôt de débat et de démocratie, eh bien on pourrait en faire quelque chose de beaucoup plus positif encore. J'avais envie de parler ici aussi du débat qui a eu lieu hier lors de la projection en avant-première du documentaire Sale pute, dont vous avez, je pense, toutes et tous entendu parler. Une chose a été soulignée, et je trouve qu'elle casse vraiment l'argument qui consiste à dire aujourd'hui que c'est des cyber-violences, donc elles sont virtuelles, donc ce n'est pas vraiment la réalité. Il y a quelque chose qui transparaissait dans toutes les interventions des femmes qui étaient présentes dans le débat, c'est que tout le monde est épuisé, tout le monde souffre beaucoup de ces situations, tout le monde en a marre, et pour beaucoup aussi, ça enlève un petit goût de la vie finalement. On se sent écrasé sous le poids des mots que l'on reçoit, par centaines parfois, et donc tout ça nous montre en fait qu'il est vraiment temps que nous puissions faire quelque chose. Alors je vais me permettre de parler une brève minute de moi. Donc j'avais 28 ans quand je suis arrivée sur les bancs de ce Parlement. Je n'avais jamais pensé à faire de la politique auparavant, et personne n'en avait fait autour de moi, je n'avais pas de mode d'emploi. Et je suis arrivée en même temps que vous, pour certains et certaines. Et je pense que comme chacun ici, j'ai essayé de bien faire les choses, j'ai appris, j'ai fait sans doute quelques erreurs. Et en tant que... Et au fur et à mesure de mon avancée dans ce parcours, je me suis rendu compte que parfois, parce que je défendais une idée ou que j'avais quelque chose à dire d'une certaine façon, eh bien, les répercussions que je pouvais en subir en ligne étaient très fortes. Je vais vous livrer une petite anecdote. Un jour, ma maman m'a envoyé un tweet de moi où un homme avait fait des montages de moi toute nue avec une tenue sadomaso et qui me mettait en scène en train d'avoir des relations sexuelles. Et c'est ma maman qui m'a envoyé ça. Et je me suis dit, mais en fait, quelles que soient les valeurs qu'on défende, quelles qu'elles soient, en fait, on ne mérite pas ça jamais. Et je pense que ça vaut pour moi, mais ça vaut aussi pour le collectif et notre démocratie en général. Et donc, personne ne mérite de vivre des choses comme ça. C'est mon affaire, certes, sur ce cas précis, mais en fait, c'est l'affaire de toutes et tous. Et je pense que si les médias et les parlements... Si dans les médias et dans les parlements, on n'est pas libre justement de pouvoir défendre des idées, de pouvoir exprimer des choses sans avoir des répercussions telles que celles-là, eh bien alors c'est notre démocratie qui est finalement en danger. Alors, je voulais ajouter une dernière chose sans transition, c'est le fait que, en effet, les réseaux sociaux agissent comme un miroir de notre société, ça j'en suis convaincue, avec un grossissement des discriminations et des phénomènes que l'on vit dans les rues et autres, mais aussi un miroir qui est déformé par la technique. Et je l'ai dit en commission, et j'avais vraiment envie de l'exprimer ici devant vous, parce qu'en fait, le cadre de la communication qui se fait de façon virtuelle, qui se fait dans des formats qui sont très très courts, cette information qui est triée par des algorithmes qui ne sont pas neutres, on le sait aujourd'hui, va en fait biaiser tout le débat démocratique que l'on peut avoir en ligne. Et donc, si au sortir de cette commission, je publie un message pour dire que je suis pour la paix dans le monde, j'aurai quasiment aucune visibilité par ces mêmes algorithmes, alors que si j'insulte quelqu'un, eh bien, je risque d'avoir beaucoup de réactions et créer un gros buzz autour de ma personne.
Et donc ça, c'est vraiment quelque chose duquel on doit se saisir. Alors je sais qu'on n'est pas dans le niveau de pouvoir adéquat pour cela, mais néanmoins, il me semble que le fait que les plateformes nourrissent quelque part cette haine en ligne est vraiment un problème démocratique qui est très important. Alors, il y a des problèmes de responsabilité là-dedans, et je viens de le dire moi-même, j'ai dit on n'est pas dans le bon niveau de pouvoir pour ça. Et en fait, l'histoire du numérique et de sa régulation, c'est tout le temps ça. C'est on n'est pas dans le monde réel, on est dans le monde virtuel, donc on ne se sent pas responsable de ce qui est dit et de ce qui est fait. Et pourtant, quand on regarde les coûts des cyberviolences sont énormes. J'avais vu une étude qui parlait de 49 à 89 milliards d'euros pour l'Europe. C'est des frais de santé, de justice, des répercussions sur l'emploi, sur la qualité de vie des gens aussi. Il y a aussi le fait que les cyberviolences ne seraient pas la responsabilité des plateformes, et ça, je l'ai dit précédemment, on a l'impression que c'est des multinationales à l'autre bout de la planète, et donc on n'a pas vraiment la main pour faire quelque chose. Néanmoins, quand elles veulent bien faire quelque chose, on se rend compte qu'elles peuvent, par exemple, en 2019, supprimer plus de 500 millions de commentaires qui étaient des commentaires racistes, sexistes et donc qui allaient contre les lois. Donc ça montre quand même qu'il y a quelque chose à faire. Et enfin, la dernière responsabilité qu'on fuit, c'est souvent aussi celle de l'auteur. Et à ce titre, notre texte, via la sensibilisation notamment, pourra sans doute répondre à une partie du problème, puisque lorsque l'on voit en fait l'impunité qui règne aujourd'hui, on se dit qu'on n'est pas vraiment, inquiété en fait quand on est auteur de harcèlement en ligne. Alors enfin, chers collègues, je voudrais juste lancer un appel peut-être entre nous, ici, puisqu'on a tous des réseaux sociaux, on les utilise, on voit ce qui s'y passe, on voit ce qui s'y dit. Les temps ne sont pas toujours faciles, et je trouve que le dire aujourd'hui, dans des débats médiatiques et politiques qui sont très, très, très tendus, a encore plus de sens. Et je pense qu'on peut critiquer des idées, qu'on peut critiquer des organisations, qu'on peut critiquer des partis, mais qu'on doit à tout prix protéger les individus et éviter de jeter les uns et les unes en pâture sur base de choses qui sont personnelles, sur le physique, le contexte familial, je ne sais pas, des choses qui n'ont rien à voir en fait avec les idées qu'on défend. Je crois qu'on doit faire preuve d'exemplarité, et de la même manière où en tant qu'élus nous pourrions imaginer d'assister sans broncher à une scène de violence dans la rue, on aurait forcément envie d'intervenir, eh bien nous devons être intransigeants aussi en ligne, parce que les réseaux sociaux, ben, ils sont finalement ce qu'on en fait, et je trouve qu'ici, avec les audiences que l'on peut avoir, on a aussi une carte à jouer, et franchement, quand je vois ce qui a pu arriver à Madame Tarr, à Madame Tettelbaum, à Madame Agic, à Madame Casady, même dans les autres niveaux de pouvoir, Madame Rony, enfin, les ministres aussi ont pris la parole là-dessus, et donc je crois qu'on doit être vigilant, et quand on voit des commentaires qui sont racistes, qui sont sexistes, qui sont homophobes, on doit pouvoir y réagir, même si sur le fond, on n'est pas d'accord avec la personne qu'on a voulu pointer du doigt, eh bien ça n'a rien à voir avec ça. Là, c'est vraiment des attaques qui sont personnelles. Je trouve que c'est aussi grave de se rendre compte que sur les réseaux sociaux, les messages qui ont l'air de percoler le plus aujourd'hui sont des messages qui sont haineux et qui profitent à des partis qui aujourd'hui crèvent les scores dans les sondages. On voit à quel point, du coup, tous ces millions d'euros, maintenant on le sait, investis en ligne, propagent vraiment des idées qui sont glaçantes pour notre démocratie. Voilà, je voulais juste ajouter ces éléments et je vous remercie pour votre écoute. Merci, Madame de Ré. Je cède à présent la parole à Madame Nagy. Je vais me lancer sans masque. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, je souhaitais remercier notre excellent rapporteur pour son rapport très complet et qui n'a pas pu être lu in extenso, mais la volonté y était. Merci beaucoup. Et je voulais également remercier Madame Agic parce que elle a d'abord amené ce texte et mis sur la table ce texte important, et par la suite elle l'a ouvert à co-signature, et je trouve que cela a permis effectivement, comme Madame de Ré l'a dit, de faire un travail qui est un travail important pour visibiliser le phénomène du cyberharcèlement et pour visibiliser aussi son inacceptabilité. Donc, on a eu l'occasion dans le Parlement francophone bruxellois de travailler au niveau du comité d'avis sur l'égalité homme-femme sur cette problématique avec des auditions. Et c'est vrai que nous avons été imprégnés de cela, même si je regrette que notre organisation institutionnelle fasse que le travail se fait là
et pas ailleurs, alors que c'est quelque chose qui concerne, je pense, l'ensemble des parlements. Mais voilà, nous avons eu là l'occasion d'entendre des acteurs de première ligne sur les dégâts, les véritables dégâts que fait le cyberharcèlement sur les enfants dans les écoles, sur les femmes dans l'espace virtuel, sur des personnes qui expriment des opinions et particulièrement des femmes exposées, on l'a dit, parce qu'elles sont journalistes, parce qu'elles sont femmes politiques, parce qu'elles sont porte-parole d'une cause ou d'une autre, écrivaine ou autre. Alors, ça m'amène à une réflexion, c'est le fait que finalement, le débat public, que ce soit dans des lieux publics ou que ce soit dans son prolongement qui est le cyberespace, devient un débat très difficile. Finalement, l'échange d'arguments très vite est arrêté par l'échange de caractérisation. Vous êtes de gauche, vous êtes de droite, vous êtes ceci ou cela, plutôt que d'aller sur le fond de l'argumentaire. On peut, Monsieur le Président ne me contredira pas, dire qu'on a des opinions et le Parlement en est justement le lieu particulier. On a des opinions différentes, on a des projets différents, mais cela n'implique pas que l'autre soit totalement disqualifié à partir du moment où il exprime une opinion, un point de vue, ou qu'il présente une image qui ne plaît pas ou qui n'est pas respectée. Donc je pense que cette question sur le débat, la reconnaissance de l'autre, de la différence dans l'espace public et dans l'espace public cyber, est un élément qui va, comment dire, qui développe des violences à un point inimaginable, parce que finalement, ce qu'on n'oserait pas dire à quelqu'un en face à face, parce que j'ai la proximité physique de cette personne, j'ose le dire parce que j'ai la distance du cyberespace. Et donc la brutalité et l'atteinte à la personne est encore plus forte parce que ce sont des mots blessants, parce que ce sont des images ignobles, parce que ce sont des situation, et dans le cas des enfants, nous l'avons entendu également, dans le cas des jeunes et des enfants dans les écoles, c'est là aussi un impact qui peut amener jusqu'au suicide, au burn-out. Voilà, donc c'est un phénomène, je pense que nous sommes ici tous convaincus, qui est très important et qui a des conséquences terribles sur les personnes. Et je crois qu'il faut le répéter, c'est inacceptable. C'est d'ailleurs condamné par la loi. Eh bien, alors, toutes les difficultés de porter plainte, d'avoir les preuves, de pouvoir être entendu et reconnu au niveau des tribunaux. Et la résolution tente, je pense, de résoudre, enfin, de donner dans la mesure de nos compétences des réponses à ces problématiques. D'abord pour la formation, que ce soit au niveau de l'EVRAS, on a mis en évidence, mais aussi par la volonté d'associer les différentes institutions compétentes dans des campagnes d'information sur les réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui les espaces les plus, comment dire, violents, entre guillemets, et c'est donc dans les réseaux sociaux qu'il faut également informer, sensibiliser, protéger les victimes. Je pense que c'est un appel qui se retrouve très bien dans le dispositif de la résolution. Il y a également le fait que nous voulons soutenir des applications comme CyberHelp ou Touche pas à ma pote ou toute autre application qui permettent à la fois d'être soutenues quand on est victime d'agression, de cyberharcèlement ou de cyberagression, mais qui permet aussi de faire une preuve qu'à un moment donné, il y a un nombre important de membres du réseau social, par exemple, qui vont individuellement chacun faire la même remarque. C'est important dans les écoles, c'est important, je pense, pour les femmes. Alors, il y a la question de l'accueil des victimes.
l'accueil des victimes, je pense, s'améliore en partie. En tout cas, lorsqu'on interroge les responsables des zones de police, ils disent tous que oui, ils sont concernés, ils sont informés. Comment ça se passe dans les commissariats? Je pense que c'est, comment on dit, avec des résultats divers. Parce qu'il y a la difficulté vraiment d'appréhender cette forme de violence. Et donc là aussi, formation. Il y a des formations qui sont faites. Par exemple, Touche pas à ma pote est en train de former la police de la zone nord. Donc il y a des éléments, je pense, de sensibilisation qui se mettent en place dans les écoles, etc. Mais voilà, il faudrait encore l'accentuer, et la résolution invite nos autorités à le faire, le gouvernement. Alors, je ne vais pas éluder une question qui a été signalée en commission par Madame Teitelbaum. L'approche de défi est une approche universaliste basée sur la volonté de défendre l'égalité des traitements des uns et des autres, des unes et des autres, et la lutte contre les discriminations basée sur l'apparence, un critère de couleur de peau, etc. C'est l'ensemble des discriminations et l'ensemble des victimes qui nous semblent devoir être pris en considération. Alors, il y a le terme racisé qui se retrouve dans les développements de cette proposition, de cette résolution. Nous n'avons pas été suffisamment attentif. Je pense qu'il faut reconnaître ses erreurs. Je le reconnais et je suis prête à assumer toutes les conséquences de cela. Ça ne nous plaît pas, ce terme, parce que c'est un terme qui compartimente, qui exclut le métissage. Et donc, il fait finalement qu'au lieu de créer des solidarités, c'était un beau terme qu'on aimait bien, solidarité entre les différentes luttes, ben, créer des compartiments finalement qui risquent d'opposer les uns aux autres et fragmentent et fracturent la société. Donc, dans ce sens, le groupe Défi va émettre deux abstentions pour dire qu'il y a là un terme qui nous pose problème. Mais comme Madame Teitelbaum et d'autres l'ont exprimé, aussi bien les développements que le dispositif est de qualité. Il a été reconnu par chacun comme étant de qualité, et donc moi, je défends totalement ce dispositif, et le groupe Défi, donc pour le reste, votera la proposition de résolution et remercie encore les auteurs et les co-signataires pour cette importante initiative. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Madame Nagy. Tisnud Beurtan, Mevrouw Lotte Stoop, en Mevrouw Zamouri. D'abord Madame Stoops et puis Madame Zamouri. Dankjewel. Horen jullie mij goed deze keer? Ja, deze keer. Het is perfect. Dankjewel, meneer de voorzitter. Wel, ik ben heel blij dat we dit voorstel van resolutie over de bestrijding van cybergeweld hebben kunnen co-construeren met Leila Agic, met de andere collega's over meerderheid en oppositie heen, dat we die vandaag mogen bespreken en stemmen. Dus ik wil hen allemaal nog eens erg hartelijk bedanken. Ik vraag ook aan alle collega's die deze resolutie steunen en zelfs ook al gesteund hebben in commissie, om bij hun federale collega's aan te dringen om van de initiatieven die op tafel liggen ten aanzien van een verstrengde aanpak van hate speech echt werk te maken. Want belangrijke aanpassingen in de grondwet en wat we hier in ons gewest doen, gaan meer dan hand in hand. En ik vind het stuitend dat sommige partijen zich hier achter scharen. Want helaas blijft het onderwerp van de tekst brandend actueel. Naast de online bedreigingen aan het adres van de journalisten zit viroloog Mark van Rans nu al weken ondergedoken in een safehouse. Ook een tiental andere mensen krijgen bescherming van de veiligheidsdiensten. En dit zijn dan nog maar publieke personen, maar ook onbekende mensen zijn vaak slachtoffer van cybergeweld, die soms zelfs tot zelfmoord leiden. Zo is het afschuwelijke verhaal van het meisje in Gent dat eerst fysiek seksueel geweld moest ondergaan, waarna beelden daarvan ook nog eens verspreid werden op het internet. En ze was hierdoor dermate getraumatiseerd dat ze besloot een einde aan haar leven te maken. En om in de sfeer van het hoofddoekendebat te blijven, onze Hafsa El-Bazaziwi kreeg na een hele serene tussenkomst in de zevende dag doodsbedreigingen.
doodsbedreigingen. Door te zeggen dat niet een persoon, maar een dienstverlening neutraal dient te zijn. En het is niet de eerste keer dat vrouwen het slachtoffer worden van dergelijke doodsbedreigingen en online haat na een publiek optreden. En we zien bij cybergeweld, net als bij geweld in de echte wereld, ook intersectioneel geweld. Mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden of behoren tot een minderheidsgroep en die twee dan nog eens combineren, lopen meer kans het slachtoffer te worden van cybergeweld. En onze Hafsa werd op verschillende fronten aangevallen. Als mondige politica, als moslimvrouw uit de minderheidsgroep en als zichtbaar feminist. En ongelijkheden in het echte leven worden weerspiegeld in de online wereld. En je kan het dus niet eens zijn met zaken, maar dreigen met de dood is altijd een brug te ver. En ons gedrag, ook in het alfront, fysiek of digitaal, heeft ook zijn resultaten in onze maatschappij. Het kan niet zijn dat je uitspraken binnen een democratisch kader gevaar oplevert voor jezelf, voor je gezin, dus voor de mama van Margot en de kindjes van Hafsa toe. Cybergeweld is dus een niet te onderschatten probleem waar iedereen, mannen en vrouwen, meisjes en jongens, mee te maken kan krijgen. Zo geeft 31% van de jongeren in België aan al het slachtoffer te zijn geweest van vernederende of onterende boodschappen op het internet. En net als in de echte wereld komen er online verschillende vormen van geweld voor. En dat versterkt door de relatieve anonimiteit die het internet biedt en het gevoel van straffeloosheid dat daaruit voortkomt, krijgen we een opeenhoping. En er zijn ontzettend veel nieuwe vormen van geweld en die moeten herkend en de slachtoffers erkend worden. Want zoals bij die fysieke geweldpleging zien we dat we echt moeten inzetten bij cybergeweld op dat kruispunt denken, die intersectionele geweldpleging bestaat. Echt. Daarom is het ook belangrijk dat we op het niveau van het gewest maatregelen nemen om cybergeweld te benoemen en te bestrijden. Dus we vragen de regering om bewustmakings- en informatiecampagnes te ontwikkelen die zowel gericht zijn op slachtoffers als daders, getuigen en familie. We willen dat de verenigingen die actief zijn in die bestrijding van cybergeweld financieel gesteund worden, zowel via projectoproepen als structureel. Er zou zowel een digitaal als een fysiek loket moeten komen, waarbij slachtoffers van cybergeweld makkelijker informatie en steun kunnen krijgen en ook aangifte kunnen doen. Het is ook belangrijk dat onze politiezones mee zijn. We vragen om een specifieke module over cybergeweld te ontwikkelen in opleidingscursussen voor politieagenten en diensten voor slachtofferhulp. En om per politiezone een aanspreekpunt te hebben voor cybergeweld. Zo denk ik echt ook dat het digitaal aanmelden van cybergeweld het mogelijk maakt om het dark number te bestrijden, maar ook dat we hierdoor die empathie binnen de dienstverlening van de politie kunnen verhogen. Want als deze aangiftes fysiek opgevolgd zullen worden, dan kan men daar reeds de hiervoor best opgeleide personen voor inzetten. En om af te sluiten vinden we dat er sowieso meer samenwerking nodig is. We willen een gemeenschappelijk platform oprichten met het oog op een vlottere opleiding, informatie en coördinatie van alle plaatselijke actoren. Dus ja, Groen zal dit voorstel van resolutie uiteraard steunen en ik hoop dat het ook op de brede steun van de andere parlementsleden mag rekenen. Hartelijk bedankt. Merci beaucoup, mevrouw Zamouri. Dank u wel, meneer de voorzitter. En dank u wel, collega Adjik, voor het voorstel en om dit inderdaad ook aan anderen te laten weten, zodanig dat wij als Open VLD dit ook hebben mogen ondertekenen. Nu, collega's, vandaag ligt er echt een ambitieus en heel broodnodig ontwerp van resolutie klaar om beter te kunnen voeren. Ik vond het ook jammer, inderdaad, zoals door de rapporteur gezegd werd, dat een groot deel van het werk aan de Franstalige kant van ons parlement al gebeurde. Maar toch zijn we blij om deze resolutie mee te kunnen ondertekenen hier in het Brussels parlement. Ik denk dat elk vrouwelijk parlementslid dat deelnam aan deze commissie zelf heeft meegemaakt, persoonlijk, wat cybergeweld doet met de moraal van het individu. Collega De Ree heeft het daarnet ook aangehaald. En voor heel veel onder ons komt buiten de gewone
cybergeweld-elementen nog eens de origine erbij. In de afgelopen decennia, ik bespaar u de persoonlijke details van mezelf, want dan zullen we te ver gaan. Maar in de afgelopen decennia hebben de communicatietechnologieën zich in een ongekend snel tempo ontwikkeld. En die blijft lopen. Waarbij de opkomst van sociale netwerken als communicatiemiddel ook deel is gaan uitmaken van ons dagelijks werk en ons dagelijks leven. En in veel opzichten hebben deze technologische ontwikkelingen het netwerken en meningsuiting van burgers over heel de wereld ook verbeterd, wat een goede zaak is. Dus de keerzijde van de medaille is natuurlijk dit cybergeweld. En het heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Die anonimiteit, die grote ongeremdheid, mensen die zich niet generen, een versterkt gevoel van straffeloosheid, denken dat ik smijt het op het internet en het kan me niet schelen, niemand gaat daar iets aan doen. En die moeilijk te controleren verspreiding van de inhoud, daar moet echt een halt toe geroepen worden. Het feit dat er geen onderbreking mogelijk is, dus er is geen respijt ook voor de slachtoffers, de kwetsbaarheid. Vooral de kwetsbaarheid van jonge meisjes, zeer jonge meisjes. Collega Ajik en collega Stoop hebben dat. Nog vele, vele anderen. Dat zijn de voornaamste gebruikers van deze nieuwe technologieën en die zijn ook het zwakst in onze maatschappij. Die kunnen daar ook niet goed mee omgaan. Wij kunnen nog, ikzelf, een Twitter-account afsluiten, maar zo'n jong meisje van 12, 13, 14 jaar weet begot niet wat er aan de hand is en denkt dat het einde van de wereld in zicht is. En daar moeten we echt waar komaf mee maken. Nu, online geweld neemt heel veel vormen aan, hè. Allee, het staat helemaal beschreven in de resolutie. Ongevraagde naaktbeelden die je gratis en voor niks toegestuurd krijgt. Wraakporno, beledigen van vrouwen of minderheden online. Dat is gewoon schering en inslag. Nu, de wetgeving en de begeleiding bij dossiers, waarin er sprake is van cybergeweld, moet veel beter. Er moet echt een cyberpolitie zijn die veel performanter is dan nu. En tijdens maatregelen was het hek helemaal van de dam. Heel veel jongeren waren online verbonden. 99% van onze jongeren heeft toegang tot het internet, waarvan 89% een smartphone heeft en 33% zonder enig toezicht van de ouders. En 31% van de jongeren in België zijn slachtoffer of slachtoffer geweest van vernederende of onterende boodschappen op het internet. Dat zijn enorm hoge percentages, collega's. Jongeren zijn kwetsbare doelwitten en lopen ook het risico om sneller slachtoffer te worden. Nu, en dan sluit ik af, meneer de voorzitter, we moeten alles in het werk stellen om hen te beschermen en bewust te maken door de nadruk te leggen op sensibilisering, digitale opvoeding en met het inbegrip van gender mainstreaming en cybergeweld. En die bewustmaking en voorzichtigheid moet niet beperkt blijven enkel tot de slachtoffers, maar moet ook gericht worden naar de getuigen, naar politiekorpsen, naar familieleden van die slachtoffers en mogelijke daders. Maar ook de eerste lijns professionals die daarvoor, en daarvoor is deze resolutie neergelegd, om daar extra aandacht aan te geven. Voilà, hierbij kort, meneer de voorzitter, mijn tussenkomst voor deze resolutie. En nogmaals dank aan collega Ajik om dit te hebben neergelegd. Dank u, mevrouw Zamouri. Donc pour la petite explication, c'est pas un ordre, c'est l'ordre en fait des co-signataires que je suis en train de suivre, parce que en effet certains ont demandé la parole depuis longtemps et se demandent pourquoi je ne leur donnais pas. Donc c'est d'abord les co-signataires. Allez, mevrouw Sab, u hebt het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Er zijn momenten dat je weet van er is echt iets veranderd. En ik vind het fantastisch dat vandaag zo'n moment is en dat ik dat dankzij mijn collega's kan meemaken. Toen ik 20 jaar geleden in de journalistiek durfde schrijven over vluchtelingen of over migranten, dan kreeg ik ongelooflijk veel hate mail. Een fotootje van mij waarbij de oogjes doorboord waren en zo. En toen ik daarmee naar de hoofdredactie ging, had men zoiets van, ja, daar is niks aan te doen. Je moet daarmee leven. Je moet je daar niet druk in maken. En 20 jaar later zie ik dat men gelukkig
dat de evolutie gekomen is en dat men zegt van dit is onaanvaardbaar. En ik ga niet alles herhalen wat mijn eminente collega's hiervoor gezegd hebben. We weten allemaal hoe wijdverspreid het is, dat het de anonimiteit is die zoveel losmaakt. Het belangrijkste is dat er eindelijk een signaal komt. Soms is de helft van de oplossing van een probleem het erkennen. En het feit dat we hier met z'n allen, want ik hoop echt wel dat iedereen dit zal steunen, dat iedereen weet van dit kan niet, dat lijkt mij al, de erkenning van het probleem lijkt mij al voor een groot stuk de oplossing ervan. Als we durven met z'n allen zeggen, dit kan echt niet, en of dat je nu aangevallen wordt omwille van je seksuele geaardheid, nationaliteit, uiterlijk, het kan niet en we moeten er iets aan doen. Het persoonlijke is politiek, het was een oude leuze van de feministen en ik ben heel blij dat dit vandaag nog eens het geval is. Dank u. Dank u, mevrouw Sabbe. Madame Lefranc, vous êtes co-signataire du texte aussi, je pense. Hein? Oui, tout à fait. J'étais étonnée de ne pas entendre oui. Mon nom, mais bon. Voilà, c'est pour ça que je ne voyais pas le nom sur la liste, c'est pour ça que je vous pose la question. Vous avez la parole, Madame Lefranc, et puis ce sera Madame Tettelbaum. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je tiens à remercier Madame Agic et l'ensemble des co-signataires, mais également l'ensemble des membres de la Commission, parce qu'il y a une belle dynamique qui a été mise en place. Et je tiens aussi à remercier Madame Tettelbaum et Madame de Batz pour avoir co-signé le premier texte qui a été présenté. Alors, si le contexte et le timing de la discussion de ces deux textes ont à un moment donné pu être un peu problématiques, je me réjouis tout de même que nous soyons arrivés aujourd'hui à un travail construit qui permet de mieux lutter contre les cyberviolences au sein de la région bruxelloise. Alors, en effet, le texte initial visait à lutter contre le revenge porn qui fut, en fait, a été déposé il y a presque un an et qui en fait voulait sanctionner, faire suite à la loi fédérale qui sanctionne le revenge porn qui a été votée à l'unanimité à la Chambre le 16 avril 2020. Alors la portée de ce texte qui est entré en vigueur le 1er juillet permet de sanctionner de la diffusion non consensuelle d'images à caractère sexuel. Alors c'est une première et c'est pour ça que je pense que c'est essentiel que la promotion de cette loi puisse être faite en région bruxelloise avec pour une fois des circonstances aggravantes lorsqu'il y a diffusion avec une intention malveillante ou économique. L'auteur, par exemple, peut ainsi encourir une peine d'emprisonnement de 6 mois à 5 ans et une amende de 200 à 15 000 euros. Alors de plus, il est également prévu dans cette procédure le retrait ou le masquage des contenus par un référé en extrême urgence devant le président du tribunal de première instance. Un laps de temps de 6 heures, c'est déjà beaucoup pour les victimes, mais c'était important, serait alors laissé aux auteurs des images, aux diffuseurs ou à l'opérateur de télécom pour retirer et masquer le contenu. Une autre procédure passerait par le procureur du roi qui pouvait déjà demander le retrait d'images à caractère terroriste. Alors, la problématique du revenge porn, beaucoup l'ont déjà développée, je ne vais pas m'étendre plus, mais rappeler que la pratique du revenge porn est un problème auquel fait face notre société moderne et ultra connectée, dans laquelle une nouvelle manière de draguer a fait son apparition, l'envoi de nudes, soit des photos à caractère érotique. Les jeunes, comme les moins jeunes, l'utilisent lorsqu'ils se sentent légitimement en confiance dans une relation, que ce soit avec un partenaire en devenir ou que lorsqu'ils sont dans un couple bien établi. Mais cependant, lorsque cette confiance est rompue et que le couple se brise, il peut arriver que la partenaire mal intentionnée diffuse publiquement des images envoyées au cours de leur relation avec une intention malveillante ou de vengeance, notamment via les réseaux sociaux, sans le consentement de la personne et des personnes qui y paraissent. Alors en outre, dans des situations de violence conjugale, les images ou enregistrements à caractère sexuel peuvent servir de chantage pour que le partenaire reste. Alors l'ensemble de ces pratiques est ce que l'on nomme communément le revenge porn, une forme de cyberharcèlement violente, sexiste et sexuel. Les conséquences sont énormes. Les victimes souvent rencontrent des problèmes de performance par la suite au travail, souhaitent changer d'emploi, sont licenciées, ou alors il y a même des études qui rappellent qu'il y a une dégradation des relations de famille ou de la famille avec les amis. Il y a aussi les personnes sont déclarées souffrant ou déclarent souffrir de nervosité et d'anxiété. Donc on voit l'impact énorme des conséquences du cyberharcèlement sur le bien-être
bien-être de la personne. Alors, l'objet de la proposition de résolution était de promouvoir cette loi fédérale sanctionnant le revenge porn au niveau régional en vue de permettre aux victimes d'obtenir justice sur les faits de cyberviolence, particulièrement sur le revenge porn. Alors, il y avait 4 objectifs qui sont la prévention, la communication, l'information et la formation, et je pense que c'est essentiel. Alors, aujourd'hui, nous avons un texte, le parcours parlementaire finalement de ce texte et les travaux que nous avons pu mener en commission ont finalement permis au texte initial d'être caduc, et donc face au texte qui est déposé par la majorité, qui est beaucoup plus englobant et qui intègre dedans la pratique du revenge porn. Alors, dans une approche constructive, j'ai donc décidé de retirer mon texte et d'apporter un amendement à la proposition de résolution portant sur la cyberviolence afin d'assurer que la législation concernant la revenge porn soit promue et connue par les Bruxellois et les Bruxelloises. Alors, dans cette démarche, c'est comme ça que j'ai demandé la co-signature. Je tiens encore à remercier l'ensemble des membres de la commission et surtout Madame Agic qui est venue avec une démarche positive d'ouverture à la co-signature de ce texte. En conclusion, je me réjouis donc aujourd'hui que notre région votera et dotera d'une politique de lutte et de prévention et de protection des victimes des diverses formes de cyberviolence qui existent sur la toile et qui, nous le savons, touche majoritairement les jeunes filles et les femmes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Madame Lefranc. Alors, comme je m'y étais engagé, c'est au tour de Madame Tettelbaum. Mais juste faire savoir à Madame Tettelbaum que Madame De Batz était également co-signataire, ce que j'ignorais puisque son nom n'apparaissait pas ici dans le texte de la majorité. Mais si ça ne vous dérange pas, Madame Tettelbaum, je peux céder la parole à Madame De Batz. Mais Monsieur le Président, s'il vous plaît, donnez la parole à Madame Tettelbaum. Pas de souci, Madame De Batz, allez-y. Super, quelle élégance de part et d'autre. Je vous remercie. Choisissez, qui préfère commencer? Allez-y, Madame De Batz. Allez, Madame De Batz. Het zal, mijn tussenkomst zal goed dan ook kort zijn. En ik heb inderdaad opgegeven dat ik graag wil meetekenen. Ik hoop dat dat toch ook zo is doorgekomen. En dat de meerderheid dat niet last minute nog zou veranderen. Want hoe beter en hoe meer we de krachten bundelen rond dit onderwerp, zoals heel veel collega's zeiden, hoe beter natuurlijk. Ik zal mijn volledige spreektijd niet opgebruiken, meneer de voordere collega's. Want de verslaggeefster heeft dat schitterend gedaan, maar misschien toch nog kort zeggen dat het goed is dat dat ook hier vandaag op onze agenda komt, omdat cyberpesten en daaraan gerelateerde problematieken ja, echt een plaag aan het worden zijn. Ik heb er eigenlijk geen ander woord voor hoe erg dat is in omvang, in aantallen, maar zeker ook vooral in impact. En de recente actualiteit toont ons, zoals collega Lefranc zei, dat inderdaad slapeloosheid, depressie, maar veel erger nog, suïcide en zelfmoordpogingen zijn helaas geen alleenstaand feit voor mensen die werkelijk de grond onder hun voeten voelen verdwijnen als slachtoffer van cybergeweld. Ik vond ook, wat mevrouw Agic zei, heel interessant, is inderdaad zo, hè, dat nieuwe technologie, zeker positief, omdat zij toch een grotere vrijheid van het woord heeft gegeven aan groepen, bewegingen die misschien anders in de klassieke media vroeger niet aan bod kwamen. Dat is een positieve evolutie. Maar anderzijds is het toch ook wel zo dat we zien dat die grote vrijheid en vooral die anonimiteit toch wel toe leidt dat we meer en meer haatspraak zien, ook op sociale media. En ook wat mevrouw Nagy zei, vond ik toch heel interessant, omdat het inderdaad zo is. Het recht om verschillend te zijn en het recht om verschillende meningen te hebben, zolang dat natuurlijk geen geweld aandoet aan de democratische rechtsstaat, moet kunnen. En dat lijkt steeds kleiner te worden. Als je ziet met hoeveel brutaliteit eigenlijk men tekeer gaat tegen mensen die wat durven afwijken van sommige normen, dan vind ik dat eigenlijk een zeer beangstigende evolutie. En dus dat allemaal samen, zeker ook indachtig wat men concreet wil doen. Ik denk dat de aanbevelingen in deze resolutie de juiste zijn. Ik denk dan aan vorming, onder andere. Zeker ook bij jonge kinderen is dat belangrijk, aan begeleiding. Niet alleen van slachtoffers, maar ook van daders. Want het is belangrijk dat mensen niet naar recidivie terugkomen, keren, dat ook zij goed begeleid worden, dat zij gewezen worden op de impact van hun daden.
Dus dat steun ik natuurlijk. Ik zal die tekst uiteraard ook mee steunen. Maar wel met een belangrijke kanttekening erbij. En mijn bezwaar zit hem, net zoals mevrouw Teitelboom, het is misschien geen toeval dat we naar elkaar spreken, toch ook wel in het zeer, zeer ongelukkig gekozen woord racisé. In de Franstalige toelichting. Ik denk dat de Nederlandstalige vertaling geen probleem is, maar ook bij het woord racisé heb ik zeer grote bezwaren. Ik wil ook dat dat zo in het verslag wordt genoteerd, omdat dat echt een struikelblok is. En ik treed de MR-collega ook bij wanneer zij stelt dat we echt moeten strijden tegen elke opsplitsing van de maatschappij die identiteitslabels opkleeft. En zeker naar ras. Dat vind ik een zeer vreemd en gevaarlijk démarche. Ik begrijp ook niet dat de meerderheid die term toch bewust, denk ik. Hè? Want een term komt niet zomaar in een tekst. Hè? Daar is toch met verschillende mensen over nagedacht. Dat vind ik echt zeer, zeer vreemd en zeer betreurenswaardig. Ik denk dat we moeten stoppen met dat soort barrières op te werpen. Want we leven in een gemeenschappelijke humanité commune. Dat we dat zeker niet moeten doen. Maar goed, echt gezegd zijnde, ondanks dit toch wel ernstig bezwaar dat ik daarbij heb, zal ik de tekst, gelet op de ruimere problematiek, toch steunen. Dank u wel. Dank u, mevrouw De Baet. En je cède à présent la parole à notre collègue Viviane Teitelboom. Merci beaucoup, monsieur le président, chers et chers collègues. Alors, avant d'aborder le fond de ce texte et au nom de mon groupe, je voulais quand même exprimer et réitérer en réalité notre réalité par rapport à un sujet comme celui des cyberviolences. En fait, on aurait aimé une concertation entre majorité et opposition sur un sujet comme ça, d'autant qu'on a travaillé de manière très constructive en COCOF. Je voudrais quand même rappeler aussi que Madame Lefranc, Madame De Baet et moi-même, on a vraiment quand même dû se battre littéralement pour qu'un texte déposé par l'opposition sur le revenge porn, avant même que ce texte-ci ait vu le jour où soit envisagé et rédigé, puisse être Madame Teitelboom, je pense qu'il serait mieux que vous coupiez votre caméra. Voilà, réessayez un peu. Désolé, c'est mieux comme ça ? C'est déjà un peu mieux. Je vais demander à la technique de monter le son, s'il vous plaît. Merci. Allez-y un peu, Madame Teitelboom. Voilà, Monsieur le Président. Oui, c'est beaucoup mieux. Oui. On en était au moment où vous disiez que les travaux avaient été plus constructifs à la COCOF. Ah oui, d'accord. Désolée. Donc, je disais qu'effectivement, on a travaillé de manière très constructive en COCOF et ensuite, on a littéralement dû nous battre pour qu'un texte déposé par l'opposition sur le revenge porn, avant même que ce texte-ci n'ait été rédigé, envisagé, puisse être agendé. Et puis, il a été effectivement, comme Madame Lefranc l'a dit, dans le cadre d'une opposition constructive, déclaré caduque. Mais voilà, tout le monde semble maintenant très positif et semble avoir oublié ça. Je voulais quand même m'y attarder deux minutes parce que ce n'est pas dans... Voilà, nous ne sommes pas distanciés d'un texte qu'on nous a proposé. On n'a pas pu en discuter à aucun moment avant qu'il ne soit présenté en commission. Alors, rappelez aussi, Monsieur le Président, chers collègues, qu'on a donc en effet réalisé ensemble pendant plus d'un an des auditions relatives au cyberharcèlement sous le prisme du genre en COCOF pour faire avancer ensemble justement les droits des femmes et des victimes et pour faire reculer les violences en ligne. Nous partageons donc, et nous l'avons dit en commission, les constats et nous soutenons les demandes développées dans le dispositif de ce texte. Parce que si le développement et la multiplication des réseaux sociaux a favorisé, il faut quand même le dire, les retrouvailles, les rencontres virtuelles, par le partage de photos, de vidéos, d'écrits sur des moments de vie, s'il a aussi permis qu'en ces temps de crise sanitaire, on puisse maintenir un contact non seulement dans le travail, mais surtout avec nos amis, nos proches, de les voir virtuellement. Si ce développement est à de nombreux égards très positif, les réseaux sociaux et Internet en général, et d'autres collègues l'ont dit, ont également ce côté beaucoup plus sombre que sont les cyberviolences et le cyberharcèlement qui se définit réellement comme cet acte agressif utilisant différentes formes de communication électronique à travers les réseaux sociaux, smartphones, ordinateurs, tablettes, chats, sites, pour menacer, insulter de manière intentionnelle et répétitive une victime. Alors,
cette nouvelle forme d'expression d'une culture est profondément sexiste. Et si les violences faites aux femmes sur Internet ne sont évidemment pas différentes de celles que les femmes et les filles subissent dans l'espace public, on l'a rappelé aussi, ou au sein de la sphère privée, elles en sont non seulement souvent le miroir, mais aussi le prolongement. Et ainsi, elles les facilitent et elles les amplifient. Elles s'inscrivent donc dans ce continuum de violence et sont genrées, puisque les causes sont les mêmes, c'est-à-dire le sexisme et la domination masculine. Elles sont genrées puisque, en effet, il faut le rappeler, les femmes ont 27 fois plus de risques de se faire harceler en ligne que les hommes, et la majorité des harceleurs sont des hommes. Certaines femmes qui en sont victimes ont peur pour elles-mêmes, mais parfois aussi pour leur famille, et beaucoup adoptent des comportements d'évitement, arrêtent d'exprimer leur opinion. Alors, ce harcèlement touche des personnes, et ça a été dit aussi, et Mme Zamouri a cité un exemple, mais des personnes de plus en plus jeunes. Or, ces jeunes filles ont encore moins, et jeunes garçons, encore moins les moyens de se défendre et se sentent souvent, en fait, abandonnées à elles-mêmes et à eux-mêmes. Alors, cette violence ne s'arrête malheureusement pas à l'insulte, au lynchage, au dénigrement ou à la menace en ligne qui sont déjà extrêmement graves. Ils peuvent prendre des formes encore plus sournoises qui touchent en fait à l'intimité de la personne. Et je pense notamment au cybercontrôle au sein d'un couple, à l'usurpation d'identité, au happy slapping qui est choisir une victime, l'humilier, l'agresser ou l'abuser sexuellement en filmant la scène à l'aide d'un smartphone ou autre. Au revenge porn, j'y reviendrai, et il y a beaucoup d'autres exemples qui, en fait, ne laissent aucun moment de répit à la victime. Alors, 90% des cibles de revenge porn sont des femmes, et dans 60% des cas, leur nom est rendu public et leur image est entachée. En Europe, 9 millions de femmes et de filles dès l'âge de 15 ans ont subi une forme de violence en ligne. Et donc, Internet est devenu, en fait, ce lieu d'insécurité. Et Mme Doré l'a rappelé, mais je l'ai vécu aussi personnellement, comme d'autres collègues, violemment, comme d'autres collègues. Et voilà, il est vrai que, par ailleurs, la prévalence de ces violences est d'autant plus grande envers des personnes qui sont déjà soit discriminées, soit marginalisées, ou qui cumulent plusieurs critères de discrimination, comme les personnes LGBTQI, d'autant plus susceptibles alors de subir ces cyberviolences, qui ont ceci de particulier, j'ai envie de dire, et d'aggravant, que ça se passe souvent dans l'anonymat, avec une plus grande désinhibition, un sentiment d'impunité renforcée, une dissémination difficilement contrôlable des contenus, et le fait qu'il n'y a pas de coupure possible et donc vraiment peu de répit pour les victimes. Je pense que c'est important d'insister là-dessus quand on n'est pas capable d'y faire face et de se défendre. Et donc, et je tiens à le confirmer ici, c'est vraiment important pour notre groupe d'avoir ces demandes à différents niveaux de pouvoir. Et je rappellerai encore une fois qu'au Sénat, nos collègues libéraux, sous l'impulsion de notre collègue Gaëtan Van Goetzenhoven, ont également déposé une proposition suite au harcèlement, entre autres, de l'enseignante Nadia Geertz, qui a vraiment été victime d'une furie sur ses réseaux, et demandé, comme nous l'avons fait déjà ici, de renforcer la collaboration donc, entre les différents niveaux de pouvoir pour mieux encadrer ce problème. Le revenge porn, je voulais simplement aussi remercier donc ma collègue Véronique Lefranc pour son travail et pour les amendements introduits en commission voilà, suite à la caducité du texte. Et l'EMR l'a soutenu. C'était important de compléter ce texte de la majorité de cette manière. Je ne vais pas revenir sur la description de ça. Madame Lefranc l'a fait de manière très précise. Alors, chers collègues, mon groupe a pour les raisons que je viens d'exposer, voter favorablement le dispositif du texte ainsi que les amendements proposés. Toutefois, nous n'avons pas pu voter favorablement, ou voulu voter favorablement sur l'ensemble du texte et nous nous abstiendrons ici en plénière également. Pourquoi ? Parce que ce texte, dans ses développements, en demandant d'apporter une attention particulière aux personnes marginalisées, ce que nous validons tout à fait, introduit une vision de la société à laquelle nous ne pouvons adhérer. En effet, Madame de Batz l'a rappelé, je l'ai dit en commission, dans sa traduction néerlandaise, le terme « Mensen van verschillende afkomst » est choisi. Et la version française fait référence aux personnes racisées. Alors, c'est une vision de notre société selon laquelle les individus qui la composent se définiraient en fonction de leur appartenance à une prétendue race.
Alors, Madame Nagic a bien dit que c'était, ce terme était essentiel pour son groupe et pour elle, et donc qu'il n'y avait pas de place pour la discussion là-dessus. Mais nous, on ne peut pas soutenir un texte comme ça parce qu'on ne peut pas adhérer à une telle conception de la société qui assigne et essentialise la personne par deux fois, par la désignation de son origine, réelle ou supposée, par le présupposé qu'elle est victime de racisme de naissance et que cela ne va pas évoluer. Le MR refuse toute assignation à résidence identitaire et victimaire qui confisque la parole libre, puisque toute intervention en dehors d'un groupe cible serait considérée comme de l'appropriation culturelle ou d'un vol d'identité. Le MR lutte contre une parcellisation de la société qui crée des barrières entre les personnes et détruit cette idée d'humanité commune à laquelle Madame de Batz a également fait référence et à laquelle nous, libéraux, nous croyons. L'universalisme que nous défendons implique une volonté de se donner les moyens de mettre à jour les inégalités et les discriminations et de lutter contre elles. L'universalisme ne nie ni les différences, ni les cultures, ni les différences. L'universalisme lutte contre cette babélisation pour une référence aux valeurs essentielles d'égalité, à un socle commun universel où on allie la richesse de la diversité culturelle et la constitution d'un patrimoine de valeurs communs et fondamentales. Alors, on ne peut pas, je l'ai dit, partager cette vision du monde qui assigne et enferme, et c'est pourquoi nous nous abstiendrons sur l'ensemble du texte, bien que nous soutenons le dispositif. Et je tenais à remercier Madame Nagy aussi d'avoir répondu, parce que c'est vrai qu'en commission, j'ai dit que si ça ne m'étonnait pas, ça ne nous étonnait pas au niveau du groupe MR que le PS et Écolo mettent en avant cette vision-là de la société, on n'était plus surpris par rapport à Défi. Et donc, voilà, merci pour cette clarification. Merci aussi à Madame de Batz. Et voilà, Monsieur le Président, en quelques mots, notre position, nos regrets et notre soutien aux dispositifs malgré notre abstention sur l'ensemble. Merci, Madame Tetelbaum. Nu het is de beurt aan meneer Verstraten en meneer Kennis. Meneer Verstraten, u hebt het woord en na meneer Kennis, monsieur Dominique Lotenstal. Meneer Verstraten. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Zoals reeds gezegd in commissie, handelt deze tekst over inderdaad een zeer belangrijke problematiek die, laten we zeggen, aan ampleur toeneemt en waar dat steeds meer van erkend wordt dat het toch echt wel een probleem is. En ik ben zelf persoonlijk ook een beetje van het principe dat het er allemaal, om het zacht uit te drukken, er iets netter aan toe zou mogen gaan op sociale media, dat dat voor mij effectief ook een vorm van openbare ruimte is en dat men daar dus eigenlijk dezelfde gedragsregels zou moeten respecteren die men over het algemeen in achting neemt op de openbare ruimte die zogezegd echt is en niet virtueel. Dus al het schelden, de ongelooflijk persoonlijke aanvallen, dingen die je daar... Non, mais je ne vais plus intervenir. Madame Tetelbaum, vous pouvez couper votre micro, parce qu'on entend en fait chez vous. Meneer Verstraten, ga verder. Dank u wel. Het klopt wat veel collega's al gezegd hebben. Hè. Iedereen die, die politiek actief is en die ooit al eens een iets of wat controversieel standpunt heeft ingenomen, weet wat daar het gevolg van kan zijn. Krijgt te maken met haatberichten, met anonieme profielen, et cetera, die u door het slijk proberen te halen. En ja, effectief, voor vrouwen in de politiek is dat nog eens zoveel erger omwille van de aard soms van het soort berichten dat zij krijgen. Dus dat is effectief iets waar dat aan gewerkt moet worden, iets dat aangepakt moet worden. Dat zal een werk van lange adem zijn, ook denk ik. Eer dat doorsijpelt dat ook op sociale media, ook in de virtuele wereld, dus de maatschappelijke normen, nog altijd gelden en er zitten zeker bijzonder goede elementen in deze resolutie. Maar we hebben er toch wel een aantal probleempjes mee met de N-VA, redelijk specifiek, maar toch niet onbelangrijk. Eén daarvan is een deel van de resolutie die oproept om de verjaringstermijn voor cyberpesten en andere vormen van stalking op enerzijds, cyberpesten enerzijds en andere vormen van stalking anderzijds, waardoor eigenlijk de verjaringstermijn voor het cyberpesten langer zou worden dan voor gewone stalking, tussen aanhalingstekens. En dat lijkt ons toch wel
wel een juridisch probleem. We moeten altijd voorzichtig zijn met het verlengen van verjaringstermijnen. Ook omdat er soms een maatschappelijke evolutie is in wat dat wij op een gegeven moment al dan niet aanvaardbaar vinden. Dat op een termijn van een aantal jaren heel snel kan evolueren soms. En daar moet je wel rekening mee houden. Dat is in zekere zin toch een risico. Er is ook een zekere vrijheid van meningsuitingsargument hier te maken. Hè. En ik vind dat soms de resolutie op dat vlak onvoldoende precies is. Ja, absoluut, het stalken op internet, allerlei vormen van seksuele intimidatie en dergelijke, dat kan uiteraard echt niet door de beugel. Maar de grens wordt niet altijd even duidelijk getrokken tussen wat nu eenmaal vrije meningsuiting is, die soms zeer grof kan zijn, hè? Maar daarom niet noodzakelijk illegaal moet zijn. Dat gezegd zijnde, zitten er zeer veel goede elementen in deze tekst, pakt het een belangrijke problematiek aan, die toch echt wel eens wat explicieter erkend mag worden. En daarom gaan wij ook niet tegen deze tekst stemmen, maar zullen wij ons onthouden. Dank u wel. Dank u, meneer Verstraeten. Meneer Kinnis. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik ga ook niet alles herhalen dat in commissie gezegd is, want ik heb kunnen deelnemen aan de bespreking al daar. Wat ik hier wel nog eens wil herhalen is dat ook de Brusselse Burgerassemblée zich over deze tekst gebogen heeft. Zij heeft in haar reactieve cyclus een vijftal teksten gekozen, waaronder deze tekst die ze belangrijk vond voor Brussel. En de assemblisten, de deelnemers, hebben dan ook experts ontmoet, samen overlegd, ervaringen gedeeld en positie ingenomen. Ze vinden het een goede tekst. Ze vinden het een goede tekst op basis ook van hun ervaringen. Hun ervaringen zoals Denise, die slachtoffer is geworden van chantage online, of Barbara, die een gevoel van onstrafbaarheid heeft gehad toen zij klacht heeft ingediend bij de politie en de politie zei van ja, u bent een mooie vrouw, hier kunnen we niets aan doen. Dingen die we niet meer kunnen toelaten in ons gewest. Andere deelnemers hadden gelijkaardige ervaringen op scholen bijvoorbeeld, waar leerlingen werden lastiggevallen en leerkrachten niet wisten hoe ze hiermee om konden gaan. L'Assemblée citoyenne pense dans les grandes lignes donc que ce texte va dans la bonne direction. Le texte soutient le potentiel des associations qui travaillent sur le terrain, travaillent sur les trois P, à savoir prévention, protection et poursuite, et souligne l'importance d'une plateforme virtuelle et présentielle ou soutien, structure de soutien physique aux victimes. Elle estime importante aussi la coopération avec les différents niveaux de pouvoir, et j'en reviendrai, et elle soutient la demande, contrairement à mon collègue, de prolonger le délai de prescription d'un an pour donner aux victimes plus de temps pour porter plainte. De assemblée had ook enkele bedenkingen en die zijn vertaald geweest in amendementen die ook unaniem aanvaard zijn geweest. Een eerste bedenking ging over de rol van scholen in het bestrijden van cybergeweld. En natuurlijk kan het Brussels gewest daar niet alles aan doen, maar is het toch belangrijk om de nadruk te leggen op een goede afstemming met de bevoegdheidsniveaus die wel via scholen kunnen werken. Het tweede amendement ging over het oorspronkelijk over het schrappen van de vraag naar een studie. De assemblée was van mening dat er eigenlijk al voldoende studies zijn om actie te ondernemen. We hebben dat iets anders verwoord. We hebben het zo verwoord dat eigenlijk een studie misschien interessant is om actuelere gegevens te hebben, maar dat ze zeker niet een reden mag zijn om directe acties uit te stellen. Ik denk dat het belangrijk is dat er direct geageerd wordt en de assemblée deelt die mening. Ten slotte is ook de manier waarmee de politie omgaat met cybergeweld van groot belang. En die vorming die daar wordt aangeboden had de assemblée graag verplicht gezien, maar aangezien dat het ook buiten bevoegdheidsniveau van het Brussels gewest valt, ging dat niet. Dus daar is geen amendement voor opgemaakt. Dat was een frustrerende vaststelling, want als je dit echt wilt doorduwen, moet je op heel veel verschillende niveaus in de gemeenten, in de gewesten, federaal, Europees zelfs, gaan resoluties stemmen. Maar goed, we doen wat we kunnen hier in Brussel.
L'Assemblée souligne finalement encore qu'il est vraiment important de sensibiliser auprès des victimes et auprès des auteurs de cyberviolence et de faire vraiment des campagnes de visibilité des luttes contre les cyberviolences. C'est vraiment important de donner une visibilité à les dispositifs qui existent pour aider les gens. Voilà, ça c'est l'Assemblée qui a donné ses avis, son avis, et que j'ai relié auprès de la Commission avec les amendements. On va donc soutenir ce texte parce qu'on a estimé avec l'Assemblée citoyenne qu'elle est importante, que le texte est pertinent et que les dispositifs ont changé dans le bon sens. Et je veux ici aussi encore souligner le travail de qualité qui a été fait par les citoyens tirés au sort, qui ont vraiment pris un texte parlementaire, qui l'ont analysé avec des experts, qui l'ont travaillé, qui ont rendu des amendements, qui ont amélioré le texte. Je remercie d'ailleurs les collègues en commission qui ont accueilli ces amendements de manière favorable et où il y avait vraiment une discussion ouverte. Et voilà, je pense que ceci montre vraiment qu'on peut avoir une discussion conjointe parlement-citoyen. Je pense d'ailleurs que les commissions mixtes le permettent aussi dans ce parlement-ci et qu'on avance dans ce sens-là à Bruxelles. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de beau à voir et j'espère qu'on pourra continuer dans ce sens. En tout cas, voilà, ici, c'est là, pour moi la première fois que je pourrai voter pour un texte avec le mandat de l'Assemblée réactive qui a vraiment analysé ce texte. Et voilà, j'en suis content. Merci. Tout arrive. Je suis très heureux que vous puissiez voter avec vos collègues sur un texte important. Meneer Lautenstahl et puis Monsieur Pitsès. Dank u, meneer de voorzitter, collega's. Dit voorstel van resolutie ertoe strekkende het cybergeweld te bestrijden heeft in dit parlement uiteraard een plaats. Er zijn collega's die verwezen hebben naar de verschrikkelijke gebeurtenissen van kort geleden, waarbij een jong meisje zichzelf van het leven heeft benomen in gevolge in feite verschrikkelijke gebeurtenissen en daarna ook het verspreiden van beelden via het internet. Mevrouw Sabbe heeft daar even verwezen naar haar tijd toen zij nog journaliste was en hoe zij in die tijd was het nog via de post dreigcommunicatie binnenkreeg. Ik zou ook kunnen vertellen over de tijd toen ik nog medewerker was van het Vlaams Blok en hoe wij ook de meest vulgaire en bedreigende post binnenkregen. Ik zou kunnen vertellen over hoe collega's parlementsleden hun woning beklad zagen of in brand zagen worden gezet of zelfs een kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Sint-Gilles een brandstichting te verwerken kreeg bij nacht, omdat hij kandidaat was van een partij. Dus het zijn verschrikkelijke zaken die destijds fysieke bedreigingen waren, maar die vandaag heel regelmatig op een andere manier, zogezegd minder gevaarlijke, minder bedreigende en meer sluipende manier via het internet ons allen bereiken. Ik wil maar zeggen, het is niet deze of degene die het monopolie heeft op het geweld, cybergeweld of ander geweld. En ik deel de mening van collega Verstraeten dat het inderdaad allemaal wat beleefder en wat fatsoenlijker zou kunnen op het internet, maar jammer genoeg menen heel wat mensen dat de anonimiteit of de afstand die de fysieke afstand die er is, hun toelaten om de onbeleefde, soms vulgaire, bedreigende toer op te gaan. En ook ik ben de mening toegedaan dat dat beter kan en dat het beter anders zou zijn. Maar ondanks alle bedreigingen, meneer de voorzitter, die ik heb geschetst, heeft geen haar op het hoofd van de mandatarissen van het Vlaams Belang er ooit aan gedacht om censuur te gaan invoeren in deze of gene richting. We moeten er ons van bewust zijn dat wat haatspraak is voor de ene, vrije meningsuiting is voor de andere. Ex absurdo zouden we kunnen zeggen dat de politiek die de ecologisten voeren ten aanzien van de automobilisten in deze stad, in dit gewest, door sommige mensen, door de automobilisten, kan ervaren worden als een soort haatpolitiek. Weg met die automobilisten. Dus nochtans lijkt het mij vrije meningsuiting te zijn van de Groenen om dergelijke standpunten in te nemen.
U begrijpt wat ik daarmee wil zeggen. En u zal ook willen begrijpen dat mijn partij geen carte blanche wil geven aan wie dan ook om vormen van censuur te gaan indienen. En ik heb hier goed geluisterd naar alle tussenkomsten, ook van sommige ondertekenaars van dit voorstel. En wanneer ik dan hoor zeggen, ja, maar kijk eens naar de opiniepeilingen, wat er gebeurt, en het zijn die partijen die vandaag sterk staan in de opiniepeilingen, die zich bedienen van de sociale media, wel, dan vallen de maskers af of men heeft zich versproken wat de ware bedoelingen zouden kunnen zijn. De ware bedoelingen zouden kunnen zijn om bepaalde meningen aan banden te leggen, om bepaalde meningen te gaan verbieden in sociale media. En ik denk dat dat toch niet de bedoeling kan zijn. Dus ik zeg ja aan het aanpakken van cybergeweld. En daar bestaan vandaag al middelen voor. Hè. We moeten ons daarvan bewust zijn dat de middelen bestaan. Moeten die nog versterkt worden? Wellicht wel. Maar we moeten opletten dat we niet afglijden naar een censuurmaatschappij waarbij diegenen die aan de macht zijn en zogezegd de weldenkenden zijn, kunnen gaan verbieden wat anderen willen denken of nog willen zeggen. Tot daar, meneer de voorzitter, mijn tussenkomst. U zal daaruit afleiden dat ik mij zal onthouden bij dit voorstel. Dank u, meneer Lotens. Monsieur Pitsès. Merci, monsieur le président, et rapidement, bien entendu, j'espère. Je ne désespère pas non plus de conclure à quelques grands accords, pour reprendre une formule de l'histoire de ce pays, en toute dernière minute. Et revenir brièvement sur un terme qui est souvent mal compris, et je le dirais sans esprit de polémique, de la manière la plus analytique possible, c'est ce fameux terme de racisation. Alors, c'est quoi la racisation? C'est un processus par lequel une personne est, en raison de certaines de ses caractéristiques, assimilée à une race déterminée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit donc d'une catégorisation raciale de la part de groupes majoritaires. Ça veut dire quoi d'autre? Ça veut dire que la racisation consiste précisément à nier la singularité des personnes au profit de caractéristiques, de stéréotypes collectifs. Et donc, la racisation ne se réfère pas à la qualité d'une personne, mais à une propriété sociale qui est associée à une situation de domination. Et donc, une personne qui est racisée, je prends la définition d'Éric Fassin, une personne sont dites racisées car elles sont assignées à leur couleur ou à leur origine par des logiques de racialisation. Qu'est-ce que ça veut dire donc? Ça veut dire que si ici, des personnes ont un problème avec une assignation à une identité. Si des personnes ici estiment que c'est un problème d'être réduit à une culture, d'être réduit à un culte, d'être réduit à une origine ethnique, alors le terme de racisation est particulièrement adapté pour décrire ce processus de domination et donc il est particulièrement adapté pour justement essayer de lutter contre ces assignations à identité. Normalement, tout universaliste devrait donc être favorable aux processus qui sont décrits. Pour ce qui me concerne, je suis un très vieil universaliste, vieille Belgique. Je sens bon l'Expo 58 et les boîtes de l'Acre, et c'est la raison pour laquelle j'utilise sans difficulté le terme racisé, parce que je trouve qu'il décrit bien une réalité. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur Pitsès. Madame Nagy. Pitsès ouvre un peu le débat. Je propose une définition. Je vais dire simplement que le problème, ce n'est pas la définition, c'est l'utilisation d'une référence qui est une référence à quelque chose que nous connaissons tous et dangereux. C'est le concept de race qui a été battu en brèche par la science. J'espère que vous croyez dans la science, enfin que vous avez confiance dans la science, qui a donc signifié que la race humaine était une et qu'il n'y avait pas de races, comme cela a été utilisé pendant des siècles pour justement exclure et dire que les autres étaient moins bien. Alors, réutiliser ce terme pour indiquer des difficultés d'apparence sociale, de place dans la société, je pense que c'est très dangereux.
C'est très dangereux parce qu'il fait référence aux caractéristiques de la couleur de la peau et de l'origine des personnes, exclusivement. Et donc, OK, on ne peut pas faire ça par rapport à une personne, mais dire que cette personne ne peut pas sortir de cette caractérisation-là, je trouve que c'est très dangereux, et c'est une Colombienne qui vous le dit, avec une famille de toutes les couleurs, de toutes les couleurs. Et donc, quand je dis le métissage, c'est l'inverse de classifier quelqu'un en fonction de son apparence. C'est d'accepter de se mélanger, c'est d'accepter qu'on est tous, égaux avec, effectivement, et moi je suis sociologue, donc j'ai quand même lu Bourdieu, je sais ce que les héritiers veulent dire, et je connais les stigmatisations, enfin pas les stigmatisations, c'est pas le terme, mais les déterminismes sociétaux, et on se bat contre ça. Je veux dire, tout mon combat politique était pour l'égalité des chances et l'égalité de traitement. Et alors, venir aujourd'hui, et certains le font, et c'est un grand débat auquel les philosophes probablement apprécient de participer, mais sociétalement, ça divise. Ça fait que moi, je suis caractérisée par des gens d'écolo comme blanche. Donc, on ne connaît pas mon histoire, on ne connaît pas ma vie, on ne sait pas ce que j'ai vécu ou pas vécu, mais je suis considérée comme une personne blanche et donc n'ayant pas eu de problème dans sa vie et n'ayant jamais fait l'objet de discrimination ou d'exclusion. Ça ne va pas. Je veux dire, dans une ville comme Bruxelles, vous voyez le danger de ça. Et alors, ça n'enlève en rien le fait, et vous pouvez rire là-dessus, trouver que moi, je le vis très personnellement. Parce que je viens d'une famille très mélangée, justement. Je ne suis pas une pure Belge 1958 Atomium. Je viens d'une famille hyper mélangée, d'un pays hyper mélangé, où il y a des problèmes d'exclusion selon la couleur des peaux des gens. Mais je me bats justement pour qu'on essaye d'avoir cette vision d'égalité et pas de catégoriser. Et je pense que pour Bruxelles, qui est déjà une ville fracturée, explosive sur le plan social, sur le plan de rapport entre les différents habitants, continuer là-dedans n'est pas donner une solution pour construire ce futur ensemble que nous voulons. En tout cas, que moi j'appelle de tous mes voeux et que j'espère est un combat assez commun. Donc on peut continuer ce débat, mais je tenais à dire quand même, parce que vous venez maintenant ici à justifier l'utilisation du terme, OK. Voilà, il est tard, j'imagine que tout le monde a envie de passer à autre chose, mais moi je tenais à dire mon désaccord profond et existentiel sur ce terme. Merci Madame Nagy, et je vois à l'image vos collègues Sadiq Coxel et Monsieur De Bock qui applaudissent, mais comme on n'a pas le son, je le relaye. Alors, y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Je pense que la discussion générale est donc, la discussion générale conjointe est donc close. Nous passons à la discussion des considérants et des tirés du dispositif de la proposition de résolution tendant à lutter contre les cyberviolences sur la base du texte adopté par la Commission. Discussion des considérants et des tirés du dispositif. Considérant numéro 1 à 25, je n'ai pas d'amendement. Nous procéderons donc tout à l'heure au vote nominatif sur l'ensemble de la proposition de résolution. Alors, je vais suspendre les travaux du Parlement régional bruxellois et ouvrir les travaux de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, réouvrir. Alors, à l'ordre du jour, nous avons la prise en considération de la proposition de résolution de Mme Tettelbaum, d'Ursel, M. Weitzmann, visant à renforcer, diversifier et étendre les espaces d'hospitalité collectif et communautaire, document B64.1. Puisqu'il n'y a pas d'observation, renvoyé à la Commission de la Santé et de l'Aide aux personnes. Je suis saisi d'une... Oui. Je suis en train de... Mais vous pourrez intervenir quand vous voudrez intervenir, il n'y a pas de souci. Hein. Juste vous dire que je suis saisi d'une demande de modification de l'ordre du jour en vue d'inscrire à l'ordre du jour de notre séance plénière la prise en considération de la proposition de résolution de Mme Frémaux, Debats, Jamoul, M. Benjoumia Moreno, M. Moussine, Mme Latifa Aitbala, M. Lovenstein, M. Verstraten et M. Haïdar,
visant à allonger le congé pour décès accordé aux agents des services du collège réuni de la commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, endeuillé par la perte d'un enfant, document B78.1. Cette demande est introduite conformément à l'article 52.6 du règlement et est appuyée par 6 membres. Il n'y a pas d'observation. L'ordre du jour est dès lors modifié par la prise en considération de la proposition de résolution. Alors, l'ordre du jour appelle la discussion générale du projet d'ordonnance portant assentiment de l'accord de coopération du 30 avril 2021 entre l'État fédéral, la communauté flamande, la communauté germanophone, la région wallonne et la commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractère personnel en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du corona Covid-19 sur les lieux de travail. Document B77.1 et 2, la discussion générale est ouverte. Monsieur Leister, rapporteur, s'en réfère à son rapport écrit. La parole est à celui qui la demande. Je ne vois pas de demande de parole. Non, si. Je vois Madame Plovy et je vois Madame Zamouri. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. En salle, je vois Monsieur Busselen, Madame Lefranc. Y a-t-il d'autres? Monsieur Leister. OK. Alors, je propose de commencer dans l'ordre des groupes. On va commencer par Monsieur Leister et puis Madame Plovy et puis Monsieur Busselen et puis Madame Zamouri. Monsieur Leister, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, pour notre groupe, et comme nous avons déjà eu l'occasion de le mentionner lors de nos travaux en commission cette semaine, il est évidemment indispensable de pouvoir aujourd'hui disposer d'un cadre juridique solide et conforme aux règles qui régissent le respect du droit à la vie privée, et ce, pour les trois types de traitements des données à caractère personnel qui sont envisagées par l'accord de coopération en question. Même si nous pouvons regretter l'arrivée tardive de cet accord de coopération, il est essentiel dans un contexte de déconfinement progressif et en particulier au sein des différents lieux de travail de prévoir des mesures relatives à la stricte application de la quarantaine dans certaines conditions pour circonscrire au maximum l'apparition de foyers de contamination. Dans ce cadre, l'ONSS et les inspecteurs sociaux en particulier ont un rôle crucial à jouer dans la lutte contre cette pandémie en agissant comme sous-traitants des entités fédérées. Pour notre groupe, il était donc nécessaire de prendre des mesures complémentaires afin de récolter et coupler des données à caractère personnel dans le but d'une meilleure identification et suivi des clusters de la part des entités fédérées, en parallèle d'un meilleur suivi du testing et de la quarantaine obligatoire. Quant aux différentes remarques qui ont été émises par le Conseil d'État et l'Autorité de protection des données, bien que des efforts complémentaires auraient pu être fournis à cet égard, nous observons que la grande majorité de celles-ci ont été intégrées et prises en compte dans la version finale de l'accord de coopération. Les garanties à la préservation du respect à la vie privée ont été prévues. C'est un signe positif et encourageant qui illustre l'intérêt et l'importance du respect de la protection des données à caractère personnel de tous les citoyens. Enfin, et comme j'ai eu l'occasion de le souligner lors de mon intervention en commission, nous saluons également l'effort du Collège réuni de nous avoir fourni dans les temps l'analyse d'impact relative à la protection des données, suffisamment rare que pour le souligner, cette formalité essentielle et qui a tant manqué lors de nos précédents travaux a cette fois-ci été honorée. Espérons qu'elle le soit encore dans le futur, chers collègues, pour toutes ces raisons. Notre groupe votera favorablement sur ce projet d'ordonnance. Je vous remercie. Merci, Monsieur Leister. Madame Plovy. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, en effet, un accord de coopération supplémentaire par rapport à l'échange de données ici qui vise clairement à faciliter ou à protéger les travailleurs à différents niveaux, notamment aussi si les employeurs ne sont peut-être pas toujours scrupuleux par rapport à certaines règles, notamment pour des employés qui doivent voyager dans le cadre de leurs fonctions ou qui reviennent de zones rouges. Ça permet aussi de pouvoir encadrer parfois des quarantaines, alors que l'employeur ne peut pas connaître justement les raisons de l'absence de son travailleur pour cause de maladie. Donc ici, il y a des balises qui sont prévues, notamment aussi pour la conservation des données transmises et croisées hein, par rapport à la durée de cette conservation. On voit, comme M. Leister l'a déjà dit, qu'il y a eu une attention importante quant au respect du RGPD et des suites ont été données par rapport à l'avis du Conseil d'État. Et donc, en ça, on voit bien qu'il y a un cadre des balises qui ont été mises, qui sont importantes. Cependant, je voudrais, comme à chaque fois, sur ces accords de coopération liés aux banques de données,
rappeler la position des colos qui est très importante par rapport à l'ingérence ou à la limitation des libertés et de rappeler toujours l'importance de la proportionnalité entre la limitation aux libertés ou l'ingérence dans la vie privée et l'objectif poursuivi et que cet équilibre doit être à tout moment examiné, réévalué. Et c'est aussi pour cette raison que régulièrement, enfin, pendant les accords de coopération qui nous ont été présentés, à chaque fois, le groupe écolo rappelle à quel point il est important de pouvoir faire une évaluation de ces différents accords de coopération tout au long de l'accord et évidemment tout à la fin, et voir si ces accords, comment ils se sont, quel impact, quelles conséquences ils ont pu avoir par rapport justement à l'ingérence dans nos vies privées, mais aussi par rapport à l'objectif qu'on a poursuivi au niveau de la santé publique. Je rappelle aussi l'importance du travail qui doit être fait au niveau du fédéral en termes justement de toutes les banques de données, d'un audit qui doit être fait à ce niveau-là. Et je sais qu'il est en cours au niveau du Parlement fédéral et c'est vraiment fondamental. Et je terminerai par un autre point, mais qui n'est pas en lien ici avec cet accord de coopération, mais plutôt sur l'ensemble des accords de coopération qui sont amenés à être présentés au niveau du Parlement, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'il va falloir réfléchir sur la manière dont on peut avoir un rôle à jouer au niveau du Parlement dans ces accords de coopération qui ont pourtant un rôle très important ou des conséquences très importantes dans notre société. Et c'est dans des choix de société. Et donc, c'est clair que ça doit se faire dans le cadre de réformes institutionnelles, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, il serait intéressant que le Parlement, d'une manière collective, hein, les différents parlements, puisque ici, les accords de coopération concernent différents types de niveaux de pouvoir, mais puissent à un moment donné donner des balises, se prononcer sur des choix de société qui, après, peuvent être mis en œuvre dans les accords de coopération par les exécutifs. Je pense qu'ici, on a des accords de coopération fondamentaux pour notre société et c'est vrai qu'on vient bien après les négociations au niveau des différentes entités fédérées et avec l'autorité fédérale. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faudra aussi avoir cette réflexion, mais ce n'est pas aujourd'hui. Et donc, je confirme évidemment que le groupe écolo soutiendra cet accord de coopération tout en gardant notre vigilance sur l'ensemble des points d'attention que je viens d'évoquer. Je vous remercie. Merci, Madame Plovy. Vous Amoury. Ah, je voyais la main de Madame Zamouri, mais peut-être qu'elle ne m'entend pas. Bon. Nee, meneer de voorzitter, mijn excuses, dat is een vergissing. Ok, pas de problème. Monsieur le ministre, je n'ai plus de demande de parole. Monsieur le ministre, vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est pas indispensable. Ah, monsieur Bucelin, je m'excuse. Désolé. Madame Lefranc, je suis aussi désolé. Je suis concentré sur le chat et j'en oublie les collègues qui sont... Il y a un angle mort. Et je m'excuse. Et en plus, il y a un petit angle mort. Monsieur Bucelin et puis Madame Lefranc. Merci, monsieur le président. Allereerst wil ik toch zeggen dat wij voorstander zijn om maatregelen te nemen in de strijd tegen het coronavirus. Dus de vaccinatiecampagne alleen zal niet genoeg zijn. We moeten verder testen, we moeten verder tracen en we moeten er alles aan doen omdat mensen de coronamaatregelen kunnen opvolgen. Maar dit moet gebeuren op een transparante manier, op een niet-repressieve manier en in het kader van een echt democratisch debat. Dit is het vierde samenwerkingsakkoord dat door de commissie werd gejaagd en we zouden bijna blij zijn dat we deze keer een week tijd kregen om de tekst te bestuderen. Maar eigenlijk is het not done om over een dergelijke belangrijke kwestie als het verzamelen en verwerken van gegevens van burgers elke keer zo weinig ruimte te krijgen voor een democratisch debat. Want zoals ik al zei in de vorige commissies, hebben we alle redenen om ons zorgen te maken. Ik citeer een artikel uit de Standaard van 2 weken geleden. De berg informatie die de overheid over ons bijhoudt is enorm. Zelfs de overheid weet niet welke databanken er allemaal zijn. Het onderzoeksmagazine Medor bracht aan het licht dat de Algemene Nationale Gegevensbank, waar de gegevens die hier worden verzameld potentieel in kunnen terechtkomen, gegevens bijhoudt voorbij de vastgelegde termijnen en zelfs foutieve informatie verwerkt. En dit zou ons echt moeten doen nadenken.
In de commissie gaven de antwoorden van de minister ons toch nog redenen tot bezorgdheid. Bijvoorbeeld wanneer er wordt gezegd dat de verzamelde gegevens anoniem zijn, dat er geen reden tot paniek is. Hoe kan men anoniem personen opsporen bij clusteridentificatie en quarantainetracing? Dus men stelt op het werk vast dat iemand positief is en zal vervolgens controleren of die persoon zijn quarantaine thuis uitzit. Dat kan niet anoniem, of dat lijkt me toch heel moeilijk. Ook de garantie op de anonimiteit bij onderzoek en statistisch gebruik valt sterk te betwijfelen. Uit een recente reportage van France 2 bleek dat met slechts 6%, dat met slechts 6 anonieme gegevens men iedereen probleemloos kan identificeren. Een aantal adviezen van de Raad van State zijn wel opgevolgd en dat is positief, dat moeten we erkennen. De terugwerkende kracht van artikel 4, die de gegevensverwerking wilde legitimeren, die sinds 12 januari 2021 zonder rechtsgrondslag plaatsvond, is eruit gehaald. Maar in de andere artikels is dat niet genoeg het geval. Zoals de GBA, de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State al aangaven. Bovendien is dit een kopie van een memorandum van de overeenstemming van 15 april, dat nooit door een parlement is goedgekeurd. En dus dat is een protocol dat niet eens bestaat in de Belgische wetgeving. En dus dat kan geen rechtsgrondslag voor gegevensverwerking zijn. In de commissie heeft de minister teruggeworpen dat de controles in die periode tussen januari en nu bekrachtigd werden met zijn koninklijk besluit dat dateert van juli 2020. Maar dan kunnen we ons de vraag stellen waarom deze ordonnantie nodig is en waarom er gesproken wordt over terugwerkende kracht. Want als ik mij niet vergis, was een koninklijk besluit onvoldoende volgens de GDPR en was een ordonnantie dus wel degelijk nodig. En dat wil zeggen dat de verzameling van gegevens die hebben plaatsgevonden voor de invoering van deze ordonnantie die we vandaag bespreken, verricht werden zonder toereikende rechtsgrondslag. Verder zijn er een aantal opmerkingen van de GBA wat betreft correcte definiëring van handelingen, maar ook wat betreft transparantie die niet werden opgenomen en dat betreuren wij. En tenslotte, wat betreft de controle op de werkplek en de naleving van quarantaine, heeft de minister ons in de commissie op dit punt geen antwoord gegeven. Want wat zal er gebeuren, wat zal er worden gedaan om ervoor te zorgen dat werkgevers de gezondheidsmaatregelen naleven? Zullen enkel de werknemers gecontroleerd worden in het respecteren van de quarantaine? Of zal er een verhoogde controle komen bij de werkgevers? En van wie zullen de gegevens dan bijgehouden worden? Van de werkgevers of van de werknemers? Dus tot besluit, deze ordonnantie bevat te veel onduidelijkheden. En als er één zaak is die problematisch is gebleken in het verzamelen en verwerken van gegevens van burgers door de overheid, dan is het wel het gebrek aan transparantie, aan democratisch debat en aan duidelijke procedures. En dus om al deze redenen zullen wij dan ook tegen deze ordonnantie stemmen. Ik dank u. Merci beaucoup. Dank u wel, meneer Busselen. Madame Lefranc. Merci, monsieur le président. Alors, si de nombreux points de discussion ont déjà pu être abordés en commission santé ce mercredi, je tiens tout de même à réitérer certains questionnements qui restent pour le groupe CDH sans réponse suffisante. De manière générale, il est évident que le respect des quarantaines, du dépistage ou du testing obligatoire sont nécessaires si l'on veut enrayer l'épidémie et recouvrer notre liberté. Céline Frémaux a régulièrement rappelé l'attention nécessaire qu'il fallait apporter aux clusters, notamment sur les lieux de travail, afin de prévenir la propagation du virus qui nous confine depuis plus d'un an. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur la procédure et le timing d'adoption du présent accord de coopération, lesquels amènent certaines critiques de notre part. Ainsi, cet accord de coopération aurait dû être adopté bien plus tôt, depuis en fait que les mesures ont été prises sur les lieux de travail, telles que l'obligation de télétravail ou des mesures de distanciation sociale. Une fois de plus, les gouvernements sont pris en défaut d'anticipation, puisqu'on se retrouve aujourd'hui à discuter d'un texte qui légifère sur les procédures de contrôle et de traitement de données afin d'enrayer la pandémie sur les lieux de travail, alors même que la période de télétravail obligatoire s'allège depuis avant-hier.
puisque depuis le 9 mars, 20% des travailleurs sont autorisés sur le lieu de travail et que les résultats de la campagne de vaccination nous permettent de voir la lumière à la fin du tunnel. C'est frustrant, car ce défaut d'anticipation a manifestement conduit à la précipitation et nous contraint à adopter ce texte au pas de charge, sans permettre un débat sérieux et nourri par l'indispensable consultation des experts et de la société civile. Alors, ce défaut d'anticipation a également eu pour conséquence que la section de la gestion de la législation du Conseil d'État et l'autorité de protection des données ont dû remettre un avis en extrême urgence et sans tous les documents nécessaires, tels que l'analyse de l'impact sur le traitement des données. Alors, pour en revenir au contenu du texte proprement dit, j'aimerais aborder quelques points qui continuent en effet à soulever des questions. Tout d'abord, le manque de précision concernant les catégories des personnes ayant accès aux données traitées, alors même que l'avis du Conseil d'État demandait que le dispositif soit complété en ce sens. Ensuite, le manque de définition claire concernant les institutions chargées des missions d'enquête scientifique et statistique. En effet, si le RGPD ne s'applique pas au traitement d'informations anonymisées, le Conseil d'État recommandait tout de même de prévoir au sein du dispositif l'identification des institutions qui seraient chargées d'une mission de réalisation d'études scientifiques ou statistiques à partir de la base des données anonymisées. Voilà. La mention du monitoring réalisé par Sansano parmi ces enquêtes ne répond pas à la demande d'identification. Si cette demande n'est pas légalement obligatoire, il demeure néanmoins important que d'avoir un cadre quant aux acteurs qui auront accès au traitement des données. Cette liste qui pourrait faire l'objet de modifications et d'ajouts pour la suite, mais elle permet d'ores et déjà d'offrir de la clarté et de la transparence quant au processus. Et enfin, l'avis de l'autorité de protection des données réitère ses remarques apportées lors des précédents accords concernant le caractère nécessaire à démontrer du transfert intégral des données par les entités fédérées compétentes aux autorités locales, services de police. Sachant aussi que l'article 5.1 de la RGPD établit que les entités fédérées ne peuvent fournir que les données dont les autorités locales, services de police, ont besoin pour exécuter une tâche concrète. Alors, pour rappel, les recommandations de la commission spéciale Covid insistaient sur la nécessité de mener des politiques, même dans une crise sanitaire, nécessaire et proportionnée. Dès lors, le dispositif présenté aujourd'hui, tout comme les précédents, font défaut à démontrer la nécessité de transmission des données dans leur intégralité. En guise de conclusion, comme je l'ai mentionné dans mon introduction, nous sommes convaincus de l'importance du respect des quarantaines, du dépistage et du testing obligatoire. Il fallait cependant se doter de moyens nécessaires pour y parvenir au niveau fédéral et au niveau des entités fédérées dès le début de la crise sanitaire. Les problématiques évoquées, la précipitation et l'urgence de l'adoption, ainsi que le manque de précision vis-à-vis des données et acteurs concernés font défaut aux différents accords de coopération dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Alors, le groupe CDH se doit donc, dans ce contexte, s'abstenir sur l'assentiment demandé aujourd'hui, tout comme il l'a fait sur les précédents accords de coopération. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Merci, Madame Lefranc. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Je n'en vois pas. La discussion générale est close. Nous passons à présent à la discussion des articles. Article 1er, y a-t-il des observations ? Pas d'observation, adopté. Article 2, Kevin Besoir ? Angenommen. La discussion des articles est close. Nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance. Voilà, je pense que ceci clôture notre ordre du jour. Avant de passer au vote, je vais faire une petite suspension de séance pour que chacun puisse vérifier qu'il est bien connecté et qu'il dispose et qu'il a fait le vote test, pardon. Et nous passerons au vote PRB et vote ARCC. Donc je suspends la séance quelques instants et nous procéderons au vote dans quelques minutes.
Alors, chers collègues, nous allons passer au vote. Est-ce que tout le monde est bien connecté? Je regarde d'abord les collègues dans l'hémicycle. Tout le monde est prêt? Et aux collègues qui sont à distance, est-ce que tout le monde est prêt? Chers collègues, l'ordre du jour appelle le vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie, ainsi que l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, aussi appelé projet d'ordonnance climat. C'est le document A356-1 et 2. 2020-2021. Nous passons au vote sur l'ensemble du projet. Non, nous passons au vote sur les amendements. Nous avons d'abord l'amendement numéro 1 à l'article 3 qui est déposé par Madame Frémaux. Alors, quelqu'un demande-t-il la parole pour une explication de vote? Il est procédé au vote. Début du vote. Tout le monde a-t-il voté? Alors, je laisse encore quelques secondes à l'un ou l'autre et puis je clôture le vote. Vérifiez bien. Fin du vote. Alors, l'amendement est rejeté. 83 membres ont pris part au vote. 19 oui, 54 non, 10 abstentions. L'amendement est donc rejeté. Nous votons à présent sur l'article 3 tel que non amendé, donc l'article 3 original. Début du vote. Nicole. Tout le monde a-t-il voté? Tout le monde a-t-il vérifié son vote? Fin du vote. 83 membres ont pris part au vote, 58, 5 non, 28 abstentions. En conséquence, l'article 3, tel que non amendé, est adopté. Nous passons à présent à l'amendement numéro 2 à l'article 15, déposé par Madame Frémaux. Début du vote.
Tout le monde a-t-il vérifié son vote? Fin du vote. 83 membres ont pris part au vote, 19 oui, 54 non, 10 abstentions. En conséquence, l'amendement est rejeté. Nous votons sur l'article 15 tel que non amendé. Début du vote. Tout le monde a-t-il vérifié son vote ? Fin du vote. 84 membres ont pris part au vote, 58, 0 non, 34 abstentions. En conséquence, l'article 15 tel que non amendé est adopté. Nous votons à présent sur l'ensemble du projet d'ordonnance. Quelqu'un demande-t-il la parole ? Il est procédé au vote. Début du vote. Chacun a-t-il vérifié son vote ? Okay. Fin du vote. 85 membres ont pris part au vote, 52 oui, 4 non, 29 abstentions. En conséquence, le Parlement adopte le projet d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du gouvernement. Madame Tchekalski souhaite intervenir pour justifier son vote. Madame Tchekalski, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vais justifier l'abstention du groupe MR. Comme on l'a dit et on le répète, le temps de la stratégie est dépassé et au lieu de venir avec un cadre presque 2 années après l'entrée en fonction du gouvernement bruxellois, nous nous attendions à des mesures concrètes. Nous attendons la présentation de la stratégie Rénolution, ce dossier ô combien important pour notre région bruxelloise, et sur lequel notre groupe est souvent intervenu, un dossier qui est malheureusement à la traîne. On a inscrit ici des objectifs déjà connus depuis longtemps dans une loi, et donc avec ce goût de trop peu, vu le manque d'ambition, le groupe MR s'est abstenu sur l'ensemble du projet de texte. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame Tchekalski. Madame Frémaux, vous avez la parole. Oui, très brièvement. Au vu de l'urgence climatique, on a, de façon tout à fait raisonnée, salué l'initiative du gouvernement, telle qu'elle est reprise d'ailleurs dans la déclaration de politique générale. Et ce, pour autant, bien évidemment, que la dite initiative permette réellement à notre région de faciliter encore davantage sa participation au respect de l'accord de Paris. Et donc, lorsque je suis intervenue à plusieurs reprises, tant en commission que ce matin en séance plénière, j'ai émis des réserves au nom du CDH. D'abord sur l'articulation de l'ordonnance climat avec les futures législations bruxelloises et en particulier celle du burden sharing qui est annoncée par le ministre Marron pour la fin de cette année. En second, sur le rôle limité du comité des experts climat dans l'élaboration en tant que telle de la stratégie climatique bruxelloise. Et enfin, sur la mise en œuvre concrète et dans des délais raisonnables de la prise en compte des émissions indirectes. Et donc, nous avions soumis des amendements dans un but constructif qui devait répondre aux principales critiques. Ils ont été rejetés. Nous nous abstiendrons donc sur le texte que nous voyons comme une occasion manquée d'agir de manière cohérente et prévisible sur la question du climat. Je vous remercie. Merci, Madame Frémaux. Alors, chers collègues, l'ordre du jour appelle le vote nominatif sur les conclusions de la commission tendant au rejet de la proposition de résolution de Madame Durcel, Bertrand, Monsieur Weitzmann, Madame Barzin et Madame Skepmans visant à renforcer le volet socio-économique des mesures d'accompagnement et de dérogation liées à la zone de basse émission, document A151.1 et 2. Nous passons au vote sur les conclusions de la commission. Est-ce que quelqu'un demande la parole pour une explication de vote ? Donc, comme d'habitude, ceux qui sont pour le rejet de la proposition de résolution votent oui, puisque les conclusions de la commission en proposent le rejet. Début du vote. Alors, chacun a-t-il vérifié son vote ? Chacun a-t-il voté ? Voilà. Fin du vote.
84 membres ont pris part au vote, 68, 14 non, 10 abstentions. En conséquence, le Parlement adopte les conclusions de la commission tendant à rejeter la proposition de résolution. Chers collègues, l'ordre du jour appelle le vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance portant assentiment aux modifications de la Convention du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, des annexes et des appendices CDNI A 335.1 et 2. Nous passons au vote sur l'ensemble du projet d'ordonnance. Vraagiemand het woord voor een stemverklaring. Tot stemming wordt overgegaan. Il est procédé au vote. Chacun a-t-il vérifié son vote? Tout le monde a-t-il voté? Fin du vote. 84 membres ont pris part au vote. 83 oui, 0 non, 1 abstention. En conséquence, le Parlement adopte le projet d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du gouvernement. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur l'ensemble de la proposition de résolution de Mme Hadjik, De Ré, Nagy, Staubs, Zamouri, et M. Haïdar et tous les autres qu'on n'avait pas cités, c'est-à-dire Mme Lefranc, Mevrouw de Baetz. Je ne sais pas s'il y en a d'autres que j'ai oubliés. Non. Voilà. Document A 331.1 et 2. Quelqu'un demande-t-il la parole pour une explication de vote? Il est procédé au vote. Début du vote. Alors, chacun a-t-il vérifié son vote? Chacun a-t-il voté? Encore une petite seconde. Chacun a-t-il voté? Monsieur le Président? Oui. Je ne justifierai pas de manière développée l'abstention, mais voilà. Ça va, vous justifierez vos votes après. Que... Ok, vous le justifierez après. Une fois qu'on aura le résultat, je vous donnerai la parole. Fin du vote. 85 membres ont pris part au vote, 65 oui, 0 non, 20 abstentions. En conséquence, la proposition de résolution. En conséquence, le Parlement adopte la proposition de résolution et donc la proposition de résolution de Mme Lefranc, Frémaux, Casady, de Beukelaar, Compagnie, Tettelbaum et de Baetz visant à instaurer une sensibilisation et une formation des acteurs de terrain, un financement du secteur associatif, ainsi que la création d'une application dans le cadre de la lutte contre la diffusion non consensuelle d'images et d'enregistrements à caractère sexuel, devient donc sans objet. Madame Tettelbaum, vous avez la parole pour une explication de vote, pour une justification de vote, pardon. Oui, Monsieur le Président, non, je voulais juste dire que comme la discussion venait d'avoir lieu, je rappelle, voilà, je fais référence au terme cité pour notre abstention, simplement. Parfait, merci Madame Tettelbaum. Alors ceci clôt la séance plénière du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale. Je réouvre la séance de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance portant assentiment de l'accord de coopération du 30 avril 2021 entre l'État fédéral, la communauté flamande, la communauté germanophone, la région wallonne et la COCOM, concernant des traitements particuliers des données à caractère personnel en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail. C'est le document B 77.1 et 2. Nous passons au vote sur l'ensemble du projet d'ordonnance. Y a-t-il une demande d'explication de vote ? Il est procédé au vote. Début du vote. Chacun a-t-il vérifié son vote? Chacun a-t-il voté? Alors j'en vois encore l'un ou l'autre qui doivent voter. Je leur laisse le temps de voter. Dans la majorité, voilà.
Fin du vote. 85 membres ont pris part au vote. 71 oui, 9 non, 5 abstentions. En conséquence, l'Assemblée réunie adopte le projet d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du collège réuni. La séance plénière de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire est close. Prochaine séance plénière sur convocation du président. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Bon week-end. Au revoir, bonne soirée. Bonjour tout le monde. Bonjour, fin week-end. Portez-vous bien. Au revoir, bon week-end tout le monde. À tous, au revoir. Joyeux Noël. C'est le réchauffement climatique, ça tue. Bon week-end ensoleillé. Hein. Oui, toi aussi, Pierre. Au revoir. Ok, au revoir.